Bonjour à tous et bienvenue, ravi de vous retrouver en ce vendredi 3 mars. C'est Jérémy Delsol pour votre matinale Admirals. Il est 8h30, j'espère que tout le monde va bien. On va se pencher comme d'habitude sur le calendrier économique dans un premier temps. Je vais venir vous saluer bien sûr sur le chat. Hop, on va finir cette semaine ensemble, voir ce qui est capable de se passer sur l'open. Alors c'est pas un vendredi, on aura le NFP, pour le coup ce sera la semaine prochaine. Mais on va voir bien sûr le calendrier quand même. Et les publications qu'on a déjà eues ce matin, on a eu notamment la balance commerciale du côté Allemagne. De l'Allemagne, pardon, à 8h. On a eu, sinon on va avoir, pardon, la production industrielle côté français dans un peu plus d'une demi-heure. Alors si je l'actualise, hein, je pense que c'est dans un peu moins désormais, même d'une demi-heure, on va regarder ça. Hop, voilà, dans un quart d'heure, production industrielle française. Indice PMI du secteur des services dans 45 minutes du côté espagnol. Discours de la BCE avec un dos dans une heure. Et sinon, on aura des petites publications sur la fin de notre séance. Et ça concerne bien sûr l'indice PMI du secteur des services à chaque fois et l'indice composite. Donc ça, c'est pour l'Italie, tout simplement à 9h45. France à 9h50. Allemagne à 9h55. Et à 10h, on aura... Donc ça, bon, les petites publications ici sont pas ultra intéressantes. Mais sinon, à 10h, oui. Côté italien, on aura la croissance du PIB, déjà plus intéressant. Et puis à 10h, bien sûr, côté européen, également cet indice PMI du secteur des services. Donc côté européen, britannique, ça sera une demi-heure plus tard. Et ça finira un petit peu sur l'ensemble des publications de la matinée. Cet après-midi, on retrouvera ce fameux indice PMI du secteur des services et composites. Ici, on va avoir à 15h45, voilà, 15 minutes juste après l'open. Sinon, on enchaînera à 16h avec l'indice ISM PMI non manufacturier côté US. Et puis la semaine finit tard, j'ai envie de dire même la journée, à 21h avec un discours de la Fed de Bowman et notamment Markin à 22h45. Donc voilà pour le calendrier aujourd'hui, comme vous le voyez un petit peu sur notre fin de séance ce matin, et plus cet après-midi, 15h45 et 16h en termes de publication US. On ira voir les événements qui nous attendent bien sûr du côté des prochains webinaires et des événements avec Admiral. Je vais venir sur le chat vous saluer. On avait Marc qui nous disait bonjour, Jérémy ainsi qu'à toutes et à tous. Bon trade à tout le monde depuis du coup le chat YouTube ici. Bienvenue à toi Marc, j'espère que tu vas bien. Raoul qui nous dit aussi bonjour. Depuis le Cameroun, je découvre le trading, je suis à la recherche de bonnes clés pour débuter dans le monde du trading. Bah écoutez, au bon endroit Raoul, on est live tous les jours de 8h30 à 10h. Je réponds à toutes les questions, il y a beaucoup de tutos sur la chaîne YouTube et beaucoup d'articles complets aussi sur le site Admirals Market, donc admiralmarket.com qui passera à Admirals par la suite. Mais du coup là ici, tu as beaucoup de choses également dans le descriptif, ne serait-ce déjà que ça hein, dans cette vidéo pour aller sur le site etc. Donc n'hésite pas si tu as des questions. Philippe qui nous disait bonjour à tous aussi, bienvenue à toi Philippe, Michel également, Maël, ça fait plaisir, bienvenue à toi aussi. Françoise aussi qui nous disait bon week-end, bonjour Jérémy du coup. Et à tous et à toutes, bon trade. Merci à toi aussi du coup Françoise. Virginie également qui est des nôtres, bienvenue à toi Virginie. David aussi, merci pour le like et très bon vendredi à toi aussi David. Cyril qui nous disait aussi bonjour, bonjour, quelle semaine d'hésitation. Non, c'est pas fini. Alors on va regarder ça parce que justement, là, par exemple, on a sous les yeux le DAX. Le DAX qui hésite en fait, comme tu le dis, hein, beaucoup avec les 15 300 bornes de base de la zone de range du moment. Donc on va surveiller ça. Mélanie qui nous disait aussi bonjour à tous. Bonjour et bien le bonjour. Jérémy, bienvenue à toi Mélanie. Content que tu sois des nôtres. Daniel aussi. Bonjour Jérémy, bonjour à tous. Bienvenue à toi. Giuseppe également. Eric, Christophe, Benji également qui nous disait vous avez du son. Alors normalement le son est OK. Hein. J'ai le retour ici. Son et image normalement. Ça passe bien. Du coup, ok, c'est bon pour manager. Ok, parfait, je n'avais pas vu. Nano qui nous dit bonjour et bonne fin de semaine de trading à tous. Bienvenue à toi aussi, Nano, Nguyen, Peter. Bonjour, Jérémy. Bonjour à tous. Bienvenue à toi aussi, Sky. Bonjour, l'équipe des traders. Bienvenue à toi, Sky aussi. Michel qui nous disait aussi bonjour, Jérémy. Bienvenue à toi, Michael également. Ibrahim aussi. Bienvenue à toi, Ghost qui nous disait bonjour, Jérémy. J'espère que tu vas bien. Je voudrais savoir s'il y a moyen de mettre des alertes lors des croisements de moyenne mobile. Bienvenue à toi, Ghost. J'ai l'impression que ça faisait longtemps. Content que tu sois de retour sur la chaîne YouTube. Oui, c'est possible, mais pareil, il faut passer par du développement. Du coup, soit tu passes sur MQL5 et tu regardes s'il n'y a pas un indicateur, puisque c'est quand même des choses très classiques, hein, ces croisements de moyenne mobile, ça s'ouvre, tu as déjà un indicateur gratuit du coup, qui existe, ou sinon il faut faire appel à un développeur, ou sinon de mémoire, tu avais certains sites qui te permettaient aussi de traduire ce que tu voulais pour le développement. Tu peux demander à ChatGPT par exemple, pourquoi pas. Didier qui nous disait bonjour Jérémy, bonjour à tous, bienvenue à toi aussi Didier, et Jean qui nous disait bonjour, bienvenue à toi aussi, Ghost qui nous disait oui Jérémy, il n'y a pas de souci, t'inquiète. Aurélien qui nous disait bonjour Jérémy, du coup, pardon, bonjour, bonjour à tous les traders. Voilà, bienvenue à toi Aurélien, David qui nous dit je confirme son et image, ok parfait, merci David. Et on a aussi Caron qui nous dit bonjour à tous, bienvenue à toi. Et du côté de Zoom, c'était Grégory et Didier qui nous disent bonjour, bienvenue à vous deux aussi. J'espère que tout le monde va bien ce matin. Allez, on enchaîne sur les graphes, histoire de ne pas être en retard. Le DAX 40, donc qui hésite toujours par rapport à cette borne basse zone de range des 15 300.
On va rentrer dans le détail sur le graphique horaire, on va dézoomer un petit peu, on va élargir aussi hein, cette zone de range ici, puisqu'on est toujours en réintégration encore et encore. Je vais même la mettre hop, encore plus loin. On va rentrer dans le détail. Ici, en fait, on va s'apercevoir du coup, bien sûr, bah, déjà de cette réintégration vis-à-vis du point pivot du jour, mais ça, c'était pas forcément le point pivot d'hier, mais en tout cas, du niveau clé et qui était très très important des 15 300. On avait parlé aussi, hein, bien sûr, de cette zone support ici qui pouvait susciter une fausse cassure par rapport à cette grande zone de range, et c'est ce qui s'est passé aussi. Alors, il y a différentes façons de voir les choses. Réintégration, bien sûr, de la grande zone de range en daily, mais aussi, sinon, trading de range dans cette zone-là désormais. Hop. Vous voyez un petit peu la différence. On a deux creux par là, on a deux jolis tests. Alors même les sommets, on pourrait les remonter un petit peu. Ça nous donnerait quoi? Ça nous donnerait les 75, j'ai l'impression. Donc on pourrait même remonter ça aux alentours un petit peu des 75 pour avoir des niveaux propres aussi. Hop. Donc on a les 200 et on a les 75 de l'autre côté. Parfait. Donc on a une nouvelle zone de range quelque part qui s'est mise en place. Le prix médian travaille un petit peu d'ailleurs autour des 350, 15 350, sur lequel récemment on a trouvé du rebond. Et à partir de là, eh bien on est dans un range. C'est-à-dire qu'on a un gros range daily 15 300, 15 600, si je ne vous dis pas de bêtises de mémoire. Hop, voilà. Et on a un range à l'intérieur, quand même relativement large, il faut le dire, 15 200, qui dépasse du coup par le bas avec les fausses cassures pour une borne haute des 15 475 points. Donc prix médian autour des 350 points à peu près, testé justement à l'heure actuelle. On va descendre et vous allez voir ce matin, bah c'est du range dans du range dans du range, puisque regardez bel et bien ce qui se passe sur ce graphique 15 minutes. On est limité par les 15 387,50 et les 15 350. Donc là aussi ça range, là aussi ça range. Je peux vous mettre une zone de consolidation également ici, puisque vous voyez qu'on est limité entre ces deux niveaux de prix support résistance, bien évidemment. Donc de l'hésitation, on va voir si on a un joli breakout sur l'open ou si ça va être piégeur. Ça, c'est tout l'intérêt bien sûr d'être live ensemble au quotidien pour voir ce genre de choses et l'interpréter la meilleure manière possible. Alors hop, on va partir sur le 5 minutes. Vous en doutez, les scénarios pour aujourd'hui, eh bien, alors je vous les remets si vous voulez quand même sur le graphique horaire en 2 secondes. C'est forcément ici des fausses cassures possibles juste au-dessus de la zone, puisque vous allez voir que hop, juste là, on va avoir aussi potentiellement bien sûr un rejet avec les fameux 15 400 et résistance. Donc on peut avoir une fausse cassure de la petite zone de range pour mieux continuer le trading en range. Pareil un petit peu par le bas, hein, on pourrait bien sûr avoir ce genre un petit peu de mouvement là. Ou si cassure il y a par le bas, on a un petit peu plus de distance à parcourir, on va dire, en direction des 15 300 et du point pivot du jour. Donc voilà aussi bien sûr possibilité si on casse franchement ici et de manière pertinente une progression, un breakout haussier suite à la réintégration du range journalier en direction des 15 450 et de la R1. Voilà pour les scénarios. Et vous avez bien compris que le range dans lequel on évolue sur le 15 minutes, donc c'est-à-dire les 15 387 et les 15 350, seront déterminants ici pour aujourd'hui sur le DAX. On va partir sur le CAC 40 ici, un CAC 40 pareil qui rebondit au-dessus des 7 250. Alors on va regarder si le niveau même, on peut pas l'ajuster, j'ai l'impression qu'on peut même être, excusez-moi, désormais vraiment ce niveau des 7 200. En fait le rebond, voilà, il est beaucoup plus propre. On a une résistance là, là, support, support. Donc ouais, il est beaucoup plus propre comme ça, le niveau en l'occurrence. Hop, on va dézoomer. Et on a fait donc les travaux. Le petit range, d'ailleurs, on va aller le voir en 15 minutes, qui a été cassé. Là, ce qui se passe, c'est qu'on réintègre un autre range, en fait. On réintègre un autre range qui a pour borne haute la résistance ici, du coup, des 7325. On va élargir ça. Hop. Comme ça, et on est du coup en plein dedans, direction de la borne haute, hein, en direction de la borne haute. Voilà, on va passer sur le 15 minutes aussi, mais en termes de scénario, bah, c'est relativement simple. Ce qu'on peut avoir pour aujourd'hui, c'est du coup du test borne haute, rejet résistance 7325, prix médian à ce moment-là 7287. On pourrait même revenir jusqu'au point pivot, voir du coup bah, cette borne basse, hein, pourquoi pas des 7250. Et si jamais bien sûr on arrive à casser, on fera quand même attention rapidement. Vous voyez qu'on a des tests avec des fausses cassures qui se sont situées, enfin qui ont été présents, je veux dire plutôt, et qui ont marqué un rejet sur les 7350 points. C'est sur le 15 minutes qu'on voit le petit range d'hier qui a été breaké par le haut. Il est juste ici. D'ailleurs, je vais pouvoir l'enlever, nettoyer un petit peu les graphes. Hop, voilà comme ça. Donc pour l'instant, vraiment, bah, le prix le plus proche qui sera le déterminant du moment, j'ai envie de dire, avec la R1 du jour, ce sera forcément à 7325 déjà. Parce qu'on a une belle réintégration, on a travaillé le prix médian et on aimerait aller jusqu'à la borne haute. Pourquoi pas déjà pour un premier test rejet à voir. Peut-être ce matin et peut-être même dans notre séance, on va regarder ça. On va partir aussi sur du coup le FTSE 100, le FTSE 100 qui a bien réagi lui sur son rebond, zone support très propre aussi des 7875 points.
On est au-dessus du point pivot du jour à l'heure actuelle. Sur le graphique war, ça nous montre même la sortie ici, du coup, qu'on a pu avoir de cette zone de range. Voilà, comme ça, hop. Toute la zone de range qu'on a ici, si j'arrive, hop. Petit problème de souris qui sera réglé pour la semaine prochaine, mais voilà, ici sinon le range du coup cassé. Alors on va regarder rapidement ce qu'on a en termes de niveau juste au-dessus. On va parler ici, j'ai l'impression des 67. Alors on va regarder juste dans le passé. Bonnes informations à tirer bien sûr la partie gauche de vos graphiques. Est-ce qu'on peut pousser jusqu'au 75? Là, c'est pas mal. Bloque déjà un petit peu avant, de toute façon, à l'heure actuelle. Ça va être autour des 70. Je pense que je vais essayer 70. On va élargir aussi avec une zone supérieure de range. De résistance, pardon. Voilà, comme ça par là. D'ailleurs, ce qu'on a, les 90. Et bel et bien cette zone, hein. Et bien évidemment, j'ai failli dire les deux en même temps, excusez-moi. Voilà, on a le support qui réagit ici. Enfin, qui peut réagir à terme. Et on a ce niveau-là, bien sûr, qui passe forcément aussi. Super. Hop. Voilà le contexte sur le foot, il sent pour ma part limité pour l'instant par le niveau intermédiaire des 7970. On a une belle zone support à venir rechercher, pourquoi pas ici en adéquation avec quasiment le point pivot du jour et la zone bien sûr résistance qui était résistance dans le passé qui passe support des 7942,50 sur du foot 600 ici pour de la respiration. On bloque plusieurs fois, alors si on revient et qu'on rebondit, on pourrait même passer sur un mode range puisque si on a bien évidemment des sommets et des creux bloqué à chaque fois et de manière respective par de la résistance, par du support, ben en final on évolue dans un range. Donc ici l'idée est de voir bien sûr comment on va passer ce niveau là, soit de manière directe, soit après de la consolidation pour breaker. Et si on n'y arrive pas, eh bien on pourrait passer sous la zone support 7942 et repartir sur le range précédent. Donc c'est ce qui sera déterminant, les 7970 déjà, ça l'est déjà en fait à l'heure actuelle tout simplement, puisqu'on est en train de rejeter pour la troisième fois, vous voyez ce niveau de résistance. On pourrait revenir jusqu'au creux en fait, chercher un petit peu ici du rebond possible. On va partir sur un marché américain, je reviens rapidement sur le chat. On avait Ibrahim, tu nous disais pour débuter le trading il faut avoir un ordinateur, du coup n'est-ce pas Jérémy? Oui, clairement c'est mieux. Si tu démarres sur téléphone, alors tu peux démarrer sur téléphone juste pour regarder les courbes on va dire, mais c'est pas très pratique et c'est pas ce qu'il y a de mieux, parce que plus vite tu démarreras dans les conditions aussi dans lesquelles tu exerceras ton trading au quotidien, et mieux ce sera pour ton apprentissage et pour la vitesse à laquelle tu vas apprendre. Donc directement sur PC, ordinateur portable, ça passe très bien et c'est la bonne chose à faire. Yves Xavier qui nous disait bonjour à tous, pardon, à vous. Bienvenue à toi. Yves Ghost aussi qui nous dit ok, merci beaucoup Jérémy, je t'en prie, avec plaisir. Florian qui nous dit salut équipe, bienvenue à toi Florian aussi. Aïssa, salut à tous, bienvenue à toi. Eric, j'ai acheté le DAX à 15 200, je vise la R1, est-ce raisonnable? 15 200, attends, sur le DAX, on va regarder en deux secondes. T'as acheté sur les 15 200, vous voyez, donc ok, c'est un swing trade et tu vises la R1, tac, 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 est-ce raisonnable? Alors j'imagine que tu vises la R1 du jour. Allez loin, allez loin, allez loin, allez où? Allez très loin, allez très loin, allez au-dessus des 450. Ah, écoute, pour moi, tout simplement en mode intraday, mais toi tu es en mode swing, donc c'est un peu différent, il faudrait repartir sur tout le graphique. Mais du coup, il y a déjà un beau niveau avec les 400. Et du coup, pourquoi c'est un beau niveau? Alors, le plus beau niveau, c'est les 450, puisque c'est le prix médian de la zone de range, tu vois qu'on a réagi là. Et là, les sommets qu'on a pu avoir ici tournent autour... Ouais, tu vois, c'est avant les 500 quand même. C'est avant les 500, donc fais attention juste à ça en fait. Ah non, ta R1 du jour est là, ok. Donc ouais, non, juste au-dessus des 450. Bah écoute, faut que ça break. Faut que ça break la zone de range et faut qu'on passe les 400. Donc raisonnable ou pas, c'est surtout ta méthode qui doit te dire si c'est un objectif du coup atteignable. Et si oui, avec quel taux de réussite tu atteins ces targets-là en fait. Tu vois ce que je veux dire? Biz qui nous dit bonjour à tous, bienvenue à toi Gamebouille. Bonjour Jérémy, bonjour tout le monde, bienvenue à toi Gamebouille. J'espère que tu vas bien aussi. Merci pour le croissant Abdel, ça fait plaisir. Bienvenue parmi nous. Et Nibom qui nous disait aussi bonjour Jérémy, bonjour à tous et bon trade, je like. Merci beaucoup, merci à tous ceux qui like ici, 48 likes du coup dès le début de la séance, ça fait plaisir. Objectif du coup les 100
On va voir si en 15 minutes on peut le faire. On est 113 ce matin pour finir bel et bien la semaine déjà avec la target avant l'open atteinte. On enchaîne avec le S&P 500, toujours sous les 4050, en train de travailler toujours la mèche ici, la bougie un petit peu importante, hein, j'allais dire impressionnante, mais cette mèche qui était assez intéressante ici. On est toujours sur les tests un petit peu de cette zone-là, mais sinon toujours sous les 4050 bien sûr. Et quand on regarde ce qui se passe ici, je vous actualise un petit peu les niveaux parce que c'est très intéressant. On avait ce petit trading range donc qui a breaké, j'ai déjà pouvoir bien sûr l'enlever. En fait, on est revenu sur une zone ici. On a fait une sacrée mèche en fonction des 3985 zone résistance et on est en train de respirer direction le point pivot. Prix médian aussi un petit peu avec les 3965. Donc sur nos rebonds possibles dans un premier temps, si cassure il y a plus profondément, plus bas en fait, hein, juste derrière, on pourra retrouver les 3950 points. Ça commencerait aussi à prendre un petit peu l'ADN d'un trading de range, puisque vous avez deux sommets très très propres, vous avez deux creux aussi, bien sûr, ici. Donc voilà pourquoi on pourrait aussi, sans trop de peine, revenir respirer. Pour ça, il faudra bien sûr à court terme casser le petit creux qu'on a là. On va descendre sur le 15 minutes, on détaille aussi les US, hein, pour votre séance de l'après-midi. Donc là, vous voyez, première réaction sur la résistance. Ensuite, on n'est pas capable de revenir dessus. On va ranger à court terme avec ces deux petits sommets-là, mais on n'a pas de creux qui confirme, à part si on regarde ces mèches-là. Donc on pourrait du coup établir un petit trading de range ici comme ça. On va regarder les niveaux que ça donne. Attention aux fausses cassures en fonction des niveaux qu'on a juste au-dessus et juste en dessous. On va avoir les 70 d'un côté, on va avoir les 79 de l'autre. Hop. Donc voilà du 9 points de range ici sur le S&P. Alors on va l'enlever ici tout simplement, puisqu'il y a le watermark qui pose problème. Hop, voilà. Désectionner range comme ça. Donc attention à des fausses cassures par rapport à du coup bien sûr à ce range et à ce niveau clé des 3965. Le trading de range qui est déterminant pour le moment puisqu'on est en plein dedans. Et pareil par le haut, on pourrait avoir des fausses cassures. Donc on pourrait avoir des pièges aujourd'hui, attention, sur le marché américain avec le S&P 500, soit pour de la récupération limitée, on va dire, soit pour une tentative de relancer la hausse limitée dans un premier temps par l'obstacle principal des 3985. On enchaîne avec le Nasdaq. Un Nasdaq ici donc sous les 12 225. On est en train de travailler pareil la récupération des mouvements précédents en daily, mais si on dézoome un petit peu ici, vous avez un beau niveau résistance en ce moment, c'est les 12 025. On a été un peu au-dessus, on est revenu en dessous et on teste et on rejette pour l'instant le niveau. Pareil, à ce moment-là, on a un point pivot qui concorde avec les 11 975, la zone de range précédente que je peux supprimer. On va descendre sur le 15 minutes. Et on va aussi avoir ici, alors encore un petit peu moins, mais c'est vrai qu'on a les deux, quasiment trois sommets. On a ce bout de mèche ici avec ses creux. J'ai quand même ici envie de vous mettre ça comme ça. Juste pour faire attention au cas où. Hop, un peu comme ça, voilà. On va regarder les niveaux que ça donne. Ça donne les 25 d'un côté et les 95 de l'autre. Voilà, hop, tout simplement. Donc déterminant cette petite consolidation 12 025, 12 000, du coup 12 025, et ben, ça va être les 11 995, voilà, de l'autre côté sur le Nasdaq à l'heure actuelle pour ma part, soit pour un breakout tout simplement à ce moment-là en continuation, un peu comme ça, soit pour la récupération, mais on pourrait casser rapidement et revenir dedans, hein, puisque c'est le point pivot, puisque c'est les 11 975 qu'on a un beau mouvement à la hausse. On a ici de l'imbalance à venir rechercher aussi, pourquoi pas pour repartir. Donc voilà, des concordances sur des niveaux intéressants sur le Nasdaq aussi, mais pour ça, il faudrait que ça casse d'abord, bien sûr, pour ensuite mieux remonter. Quand on parle des US, on parle aussi du Dow Jones 30 avec les fameux 32 800, dont on n'arrête pas de parler depuis maintenant pas mal de séances, puisque c'est un gros trading de range qu'on a 34 400 résistance, 32 800 support. On a fini par réagir et repartir au-dessus justement de cette borne basse après la consolidation légèrement en dessous. Consolidation que je vais pouvoir du coup supprimer. Vous voyez pareil l'obstacle du moment, 33 000 points niveau clé, niveau psychologique du coup à l'heure actuelle sur le Dow Jones 30 pour une respiration possible jusqu'au point pivot 32 900 voire 32 800. Pour une réintégration marquée avec du rebond encore. Je vous rappelle que du coup, quelque part, on réintègre aussi la zone de range ici précédente, dont la borne haute et le rejet et la résistance du moment des 33 000 points. Donc là, on a aussi. Alors pour le coup, on a des creux. Du côté des sommets, c'est timide, mais vous retrouvez un petit peu l'ADN du trading de range qu'on a sur le Nasdaq et sur le S&P également. Là, on va marquer les 90. Là, on va marquer les 40.
Et puis voilà, déterminant du coup pour aujourd'hui sur le Nasdaq. On va juste désélectionner ce range, juste en dessous du fameux niveau psychologique des 33 000 points rejetés à l'heure actuelle. Possible retour donc sur les 32 900 si on arrive à percer le bas de ce petit range en direction du point pivot ici. Pour le coup, on n'a pas d'imbalance à part juste là. Donc ça serait même un retour sur un gros niveau si on veut aller du coup chercher et combler un petit peu cette imbalance là. Mais sinon, on évolue dans le range avec des fausses cassures par le haut possible, par le bas comme ça aussi possible. Donc marché piégeur, attention. Voilà pour les US. On va enchaîner avec le gold. Il est 8 h 50. Le gold qui réagit du coup finalement et qui rebondit en repassant au-dessus des 1 820 $ l'once d'or. Trading Vision qui nous disait: bonjour Jérémy, je n'arrive pas à me connecter à MT5, j'ai un compte Edge, je mets le MT5 que j'ai installé, c'est MT5 Netting, quelle différence y a-t-il s'il te plaît? Normalement le Netting ou le Edge c'est du coup fonction juste du compte de démo que tu as, si c'est ton compte Invest, si c'est ton compte Trade MT5 ou ton compte 0 MT5. Est-ce que tu es sur un compte démo du coup Trading Vision ou est-ce que tu es sur un compte réel? Allez, on enchaîne avec le gold ici. J'attends de voir ta réponse à Trading Vision. Du coup, le gold ici, hop, cassure de cette zone de range, on en avait parlé, on est remonté par le haut, on va pouvoir nettoyer un petit peu les graphes hein, quand même. C'est un de laisser trop de choses sur les graphiques. Donc on est en train d'essayer de casser par le haut. Je vais juste enlever la touche HLS, on va regarder ça ensemble. excusez-moi, on avait les 1840 par ici, qu'est-ce qu'on a au-dessus? Hop. Les 45 exactement vont être pas loin des tests, j'ai l'impression du moment. Yes, c'est ça. De toute façon, je vous le disais, le gold qui est simple à lire de 5 en 5 très 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 souvent. Juste au-dessus de la R3, là, on retrouve les 50 par la suite. Donc là, c'est une zone ici qui passe quand même support. Je regardais juste pour le range, mais on va descendre sur le 15 minutes pour voir le détail aussi de tout ça. Ok, voilà, donc là oui c'est quand même une belle résistance qui a été cassée, qui peut passer support. On vient réagir pile poil aux abords des 1 845 $ pour respirer en adéquation avec la R2 du jour. La R1 ici est dans la zone en plus bien sûr de cette zone support. Donc une R1 cassée, je vous rappelle, ça fait support aussi. Donc voilà un retour avec un pullback très intéressant. On a l'imbalance à partir d'ici, on en a même un peu par là. Du coup, à voir si on peut trouver du rebond ce matin. Par rapport à ça, s'il n'y a pas rebond, on peut avoir une fausse cassure aussi, puisque attention, il y a ces creux-là à venir chercher. Sinon, mais réintégration un peu plus en dessous pour un test du point pivot 1835 par la suite ici. Et pareil, si on reste bloqué en réintégration de cette zone-là, ben là, c'est du trading de range aussi. Donc on va faire attention, je vais vous le mettre d'ailleurs. On a des petits sommets, on a des petits creux qui se cumulent dans toute cette zone-là. On va regarder les niveaux que ça nous donne. On a quoi? On a du 38 et du 40. Alors, je vais remettre ça comme il faut parce que sinon ça va pas aller. Hop, voilà. Alors, même un petit peu au-dessus de ça, j'ai envie de dire. Ça nous donne quoi comme niveau? Voilà, les 40, 75 à peu près. Donc cette petite zone à revenir tester côté extérieur, idéalement pour marquer du rebond et continuer la hausse. Mais sinon, réintégration, trading de range. Et si on break par le bas, attention aux fausses cassures, mais sinon, on pourrait redescendre plus bas sur les 835. Ok, voilà pour le gold. On va partir sur le 5 minutes. Et on va enchaîner avec le pétrole. Le Brent, toujours limité entre son oblique et les 87. Ça ne change pas du coup pour le moment. Voilà, quand on regarde le graphique horaire, on est limité avec la R1 du jour qui représente aussi le test de la résistance dont on avait parlé des 85-30. On a la zone support SA en adéquation d'ailleurs même avec ici cette zone support aussi des 84. Et on hésite même en plein milieu, limite en du coup triangle, hein, en formation ici d'un triangle autour du point pivot, autour des 84-75. Donc c'est de la consolidation ici qu'on a aussi. Je vais vous marquer ça d'ailleurs. On va juste descendre sur le 15 minutes, voir si on peut y voir un niveau à l'horizontale. Pour le coup, on pourrait plus parler quand même un petit peu plus d'un du coup comme ça, pourquoi pas d'un triangle avec une fausse cassure par ici, réintégration rapide. Et de l'autre côté, on a quand même des belles choses aussi. Il y a donc un triangle pour le moment, mais attention aux fausses cassures par rapport à ce triangle-là. C'est pour ça que j'ai envie de vous mettre du coup ce genre de choses là, mais on a quand même ce creux là. Tester plusieurs fois. Ouais, on va rester là-dessus. Du coup, voilà un triangle. Je vous donne beaucoup d'infos ici,
puisque faut faire bien bien attention avec ses formes. Ici, ses configurations. Petit trading de range, du coup aussi possible à court terme 84-90 pour les 84-50 tout simplement. On va nettoyer un petit peu tout ça. Voilà. Voilà pour le gold, donc à faire attention clairement ce matin. On ira surveiller. Pardon, c'est le Brent. Oui, le Brent, bah, d'habitude, je descends pas aussi bas, mais pour le coup, j'ai enchaîné. Je vous montre l'USDX, puisque beaucoup demandaient lors des séances précédentes, hein, tout simplement. Les 105, ça reste la résistance du moment pour moi sur l'indice du dollar américain. On a des petites zones qui se créent en fonction de cette zone-là aussi. Donc une zone plus importante qui est au-dessus et une zone ici dont on avait parlé aussi. Alors cette zone-là, elle a été cassée comme ça, maintenue côté extérieur deux fois, puisqu'il y a ici et il y a là. Et là, réintégrée sous le point pivot en même temps à l'heure actuelle, donc sous les 104,80 en fin de compte. Donc on va voir si ce matin on est capable de rester dans la réintégration du petit trading de range, même pour venir chercher jusqu'à la borne basse, zone support S1, ensuite trouver du rebond ou breaker pour continuer la baisse, ou si on va pas réintégrer le range du coup supérieur et aller chercher le double top quasiment ici, la R1 et la borne. Donc fonction vraiment du point pivot du jour, des 104,80 niveaux du coup déterminant sur l'indice du dollar américain. En ce qui concerne l'euro dollar, je vous ai ajusté un petit peu aussi le contexte. En fin de compte, on était de retour dans cette zone de range ici précédente. Donc c'est les 1,0575 pour les 1,0682,50 pour ma part, si on veut être précis. Alors, donc on a toute cette zone de range bien sûr en travaux. On avait une zone de range ici dont on a parlé qui a breaké. On va pouvoir aller la supprimer ici aussi. On est revenu donc sur la borne basse récemment importante des 1,0575 rebondir. J'avais d'ailleurs un autre niveau que je vais pouvoir enlever ici. On va faire simple bien évidemment. Et pour le moment on travaille quoi? On travaille les 1,0610. Je vais d'ailleurs l'ajuster ce niveau. Hop. Faire ça proprement, voilà les 10 par là, juste en dessous on a les 0,595, au dessus on a les 0,625, donc les 1,0625. Et si du coup je devais vous mettre du coup pour le restant de la journée par exemple, hop, une résistance au sein même du coup de la zone aussi par le haut, ce serait plus par ici. On parlerait je pense des 50, on va regarder ça comme ça, hop, hop, hop. On va dézoomer un petit peu pour voir si c'est pas mal. Je regarde la montre, il est 57, on va pas tarder, mais ça me paraît pas mal. Ouais. Plutôt bon pour, comme niveau en résistance pour la suite. On pourrait dire un petit peu par rapport à ces tests-là, si on veut ajuster, ça va être les 45. Voilà, hop. Donc voilà, on en est à un niveau déterminant pour aujourd'hui, il est 1,0610 en support pour l'instant, point pivot juste au-dessus de ce niveau-là et du cours actuel. Donc on va voir si on trouve du rebond en fait ou pas dans la zone en question qui était juste ici bien sûr, bien dans toute cette partie-là. Résistance qui peut jouer son rôle de rebond support désormais, ou si ça lâche, eh bien on faudra voir pour du coup repartir en direction des 1,0595. Mais niveau déterminant, donc les 1,0610. Hop, on va aller sur le 5 minutes, on va regarder rapidement en 2 minutes avant l'open le GBPUSD qui travaille toujours et encore sur la borne basse du range journalier, les 1,1950. Et là on a encore du rebond et du maintien. On réintégrerait peut-être même, alors on va faire ça en 2 secondes aussi, élargir à cette zone de range par là. Hop, comme ça. Ici, bien sûr, c'est plutôt de la résistance qu'autre chose. Plus de la résistance qu'autre chose. Hop, là. Et voilà, on en est en fait hein, vraiment sur ce gros test des 1,1950. On a la zone support S1 pas loin. On a ces creux qui représentent aussi le test des creux précédents à surveiller. Et là, on a un niveau déterminant. C'est le point pivot du jour qui correspond avec la borne basse que j'ai ajustée ici. Vous allez retrouver en fin de compte le niveau. Hop, on va le mettre comme ça puisqu'il est important pour aujourd'hui. Je vais vous le noter en support. Ça va être le niveau des 1,1970. Borne basse de zone de range, point pivot du jour, test du en support pour une réintégration possible. Bref, beaucoup de choses autour de ce niveau-là, soit pour une fausse cassure rebond, soit pour un rebond naturel, soit pour du coup tout simplement nous permettre de retester les 1,1950. Donc on va mettre tout ça en place puisque l'open va arriver. Je vais regarder ce que ça donne sur le système LTR aussi, puisque le GBP/USD pour l'instant du coup pourrait être intéressant du coup pour du range. Alors on va essayer de voir ça sur l'open, je vais juste faire attention, mais j'ai peur que ça parte un peu vite sans moi sur GBP/USD qui est ici. On a un FTSE 100 qui est en range, attention. On a un DAX aussi qui est en range et même un DAX M1, donc DAX M5 en range, DAX M1 en tendance baissière. On va remettre le contexte un peu partout pour voir comment ça va se passer sur l'open, puisqu'ici, hop, je vais vous remettre les graphes en place. Alors le DAX
Pour rappel, il est en plein milieu de son trading de range. Donc attention, le gold qui pourrait respirer. On pourrait avoir du rebond sur le GBP/USD et sur le FTSE 600, on est en train de descendre tout simplement. Alors je crois qu'on était. Hop. On n'était pas dans une zone de range ici. Alors attendez, on va regarder ça. Ça y est, c'est l'open. On va voir comment les choses se présentent. Juste faire le point sur le FTSE 600, il me semblait. Ah voilà, oui, c'était le rejet de la zone. Donc on va voir si on peut pas respirer un peu plus. J'ai un DAX qui passe rapidement en tendance haussière. Un DAX M1, tandis que ça reste toujours sur le M5. Tandis que le FTSE 100 démarre une tendance baissière, c'est assez intéressant. Justement, comme on le disait, FTSE 100 qui aurait de quoi récupérer. Je suis déjà initié dans le GBP/USD pour le coup. C'est parti sur l'open, encore deux bougies pour atteindre la target des 1,1981 sur un rebond qui serait sympathique. Allez, encore une bougie. Pour les 1,1983 en rebond ici. Donc c'est pas l'équivalent 5 minutes, 1 minute, c'est tout simplement un graphique 3 pips que j'ai ici. Là, allez, la target 1 qui va se faire. MT4 qui bug un petit peu, j'ai l'impression. Ça va s'actualiser par la suite. Voilà, la target qui est prise. Je vais pouvoir sécuriser de l'autre côté. Juste regarder combien de pips ça fait. Le TP1 fait 6 pips. Donc de l'autre côté, je vais rester à 6 pips aussi en stop. Voilà, donc TP2 attendu sur la 1,1988. C'est le test du sommet ici précédent. Je vais vous mettre ça avec une flèche ici autour des 1,1988. Voilà la target 2 qui a besoin d'être atteinte si je veux avoir un joli scénario. Sinon, de toute façon, c'est protégé pour l'instant. Ça monte vite et ça monte fort. Regardez pour le moment ici sur le DAX en 5 minutes, sur le DAX en M1. Un peu de la correction sur le FTSE 600. Qu'en est-il du gold? Le gold, il est là, il est dans sa tendance haussière, mais le rebond a eu lieu, j'imagine, avant, ouais, 3 minutes avant l'open. On a un euro dollar ici qui pour l'instant est dans du range et qui hésite pas mal. Donc pour l'instant, voilà, initié sur la hausse du GBP/USD. Ça fait longtemps que je n'avais pas pris un trade sur le Forex ou si peut-être cette semaine, je sais plus. J'avais peut-être un trade déjà cette semaine. Je vais regarder le DAX du coup pour voir comment il réagit, mais il est monté fort maintenant, c'est déjà trop haut. Je veux acheter bas et je veux vendre haut, c'est le principe bien sûr. Trading Vision qui nous est contre réel. Tac, et tu nous dis que tu n'arrivais pas à te connecter. Est-ce que tu te connectes à la version du coup MT5 installée sur le PC, la version web trader, etc. Est-ce que tu es sur Mac? Est-ce que tu es sur PC? J'essaye de comprendre le pourquoi du comment. Trading, pardon, Antoine qui nous dit, c'est quoi la différence entre le compte trading et le compte zéro? Alors le compte trade.MT5, tes fonctions des spreads, tu as plus d'actifs aussi à disposition. Tandis que le compte zéro, en fait, tu as ce principe de commission entrée-sortie et de quasiment zéro spread. Donc c'est deux modèles différents en fin de compte, mais faut bien lire aussi si tu es dans les différences de compte que je vais te montrer si tu veux en allant sur le site. Du coup, les actifs auxquels tu as accès aussi, puisque ça peut jouer dans la balance, hein, clairement dans le choix du compte qu'on veut exploiter entre guillemets. Du coup, c'est dans les tac 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 compte de trading ici. Tu vas retrouver le comparatif justement trade MT5 0 MT5. Donc tu vois que par exemple sur Forex, tu as 45 paires, là tu en as 40. CFD métaux, tu en as 3 d'un côté, tu en as 5 de l'autre. Énergie CFD, tu vois en fait, tu as ici tout ça de rassemblé. Mais quand tu regardes le compte trade MT5, tu as beaucoup beaucoup plus d'actifs. Tu as par exemple tout ce qui est CFD obligations, ETF, actions, matières premières. Tu as les futurs, les CFD sur futurs. Tandis qu'ici, tu as que les CFD sur cash, donc au comptant. Tu vois ce genre de choses. Ce genre de choses. Tu as beaucoup plus d'actifs en fait sur trade pur MT5. Après, sinon, en termes d'effet de levier, c'est pareil. Là, tu vois, tu as des spreads à partir de 0. Là, c'est à partir de 0,5. Ce genre de choses. Donc je te partage la page si tu veux regarder ça. Je vais regarder, je suis toujours en cours sur le. Hop, sur le.
sur le GBPES. Et Marcel sur Zoom qui nous dit bonjour à tous, un peu en retard, désolé, pas de soucis, bienvenue parmi nous. Marcel, j'espère que tu vas bien. Alors je vais pouvoir sécuriser un peu plus, ce sera un scénario gagnant quoi qu'il arrive. Puisque je vais remonter mon stop sur les 1,19. C'est quoi, c'est les 1,19 71. Allez, faut que ça pousse un peu pour finaliser sur les 1,1988. C'est la petite flèche verte ici. Vous avez ma target 2, recherche du test et du sommet précédent. Pour l'instant, c'est la seule chose intéressante à faire pour ma part, puisque le DAX a été trop brutal, entre guillemets, c'est-à-dire trop agressif sur sa hausse d'un coup sur l'open. Donc maintenant, on va essayer de tirer le vrai du faux sur cette hausse, si c'est pour mieux continuer ou si c'est pour mieux récupérer. Interactive, tu nous disais, salut Jérémy, bienvenue à toi. Niri, bonjour à tous, pardon, bienvenue à toi aussi Niri. Donc t'es sur Contrel, Trading Vision, ça marche. Fred qui nous disait, avec toutes tes stratégies, deviens millionnaire et laisse YouTube. Alors, pour tous ceux qui se posaient la question, et c'est vrai qu'on me pose souvent la question, pourquoi par exemple je fais des lives pour Admiraz, pourquoi du coup je vends ma formation, je mets en location mon système, etc. C'est tout simplement parce que je vois, si vous voulez, le trading comme une activité d'un entrepreneur. Il faut savoir, depuis le départ, je travaille du coup avec Admiraz, mais je suis entrepreneur, donc c'est un contrat que j'ai Admiraz, c'est mon, entre guillemets, on peut dire ça comme ça, mon meilleur client, clairement. Mais si vous voulez, du coup, j'ai cette vision, et de par aussi, bien sûr, l'expérience de mes parents, j'ai la vision vraiment de l'entrepreneuriat. Et à partir de là, si j'ai aussi appris quelque chose, c'est que quand on est entrepreneur et qu'on est sur une activité, du coup, bah forcément qu'il y a un retour et qui a un payoff ou qui a de quoi nous payer de manière variable plutôt que fixe, plus on multiplie les sources de revenus, plus on sécurise notre situation. Quand on a un emprunt pour acheter un appartement, quand on a des enfants justement pour ensuite payer l'école, etc., il faut pouvoir leur assurer un avenir, du coup tout simplement, et un avenir qui soit pas remis en question mois après mois, si on a un bon mois, si on a un mauvais mois en trading. Donc à partir de là, l'idée c'est véritablement pour moi de multiplier les sources de revenus, pour diversifier bien sûr mes incomes et pour pouvoir en fin de compte bah, solidifier ma situation et la pérenniser. C'est vraiment l'idée, si vous voulez, pour ma part. C'est pour ça que je fais ça, comme ça tout simplement. Alors je regarde juste, ça commence à respirer pas mal sur le DAX, mais en même temps on a de quoi respirer. Hein. Si on veut respirer, on peut vraiment respirer. Donc pour l'instant je vais faire attention. Ça hésite sur le GBPSD, je vais peut-être sortir en stop suiveur, ça sera un petit gain du coup puisque j'ai fait 6 pips sur la hausse. Et le stop suiveur ici est sur 4 pips, donc ça me ferait 2 pips de gain pour l'instant. Du coup en stand-by. Le gold qui est haussier mais qui hésite sur son sommet précédent. Surtout le DAX, on va voir à quel point il respire. Pour l'instant, je vais le laisser possiblement respirer un peu plus que ça. Vivi qui nous est le DAX est parti comme une belle. Ouais, parti fort, hein, parti fort et vite. Benji qui disait ok, compte FTMO validé sur le CAC 40, je suis bien. Top. Alors, on va juste éviter de citer ces noms-là, donc je vais enlever le message ici. Mais top, bravo pour toi, du coup, Benji, par rapport au compte validé. EURUSD a ravalé sa grosse montée ce matin, nous disait Tav. Jean-Pierre qui disait bonjour, il n'y a pas le NFP aujourd'hui, pourtant c'est le premier vendredi du mois. Yes, mais quand le mois démarre, si tu veux, sur les premiers jours vraiment du mois, et que c'est par exemple, tu tombes sur un vendredi 2 ou un vendredi 3, parfois il le repousse à la semaine d'après, c'est ce qui arrive ce mois-ci en fait. Konat qui nous dit bonjour à tous et bonne séance de trading, bienvenue à toi aussi Konat. Tav qui nous dit est-ce qu'il y a un broker qui propose le silicium comme actif? Alors je t'avoue, Admiral ne le propose pas, je pense, et je vois pas particulièrement d'autres brokers qui proposent ici ça. Voilà, le DAX qui respire un peu plus, pourquoi pas sur les 400. On va voir si on peut respirer plus que ça, mais c'est vrai que pour l'instant je vais faire attention. Je suis toujours dans le GBPUSD pour le moment. Je fais d'autant plus attention que vous avez vu les dernières séances hein, sont toutes très très bien passées. Donc je risque d'avoir des trades perdants au fur et à mesure. On peut jamais enchaîner 20 trades gagnants d'affilée. Enfin 20 on peut, ça arrive de temps en temps. Mais après bah, voilà, on a des trades qui risquent d'être perdants. En tout cas GBPUSD sécurisé ça se passe plutôt bien, mais je vais être très vigilant sur le DAX.
taf qui nous est lithium, je veux dire. Ah, alors attends, lithium, je sais plus si on l'a pas ici, lithium. J'ai du Global X Lithium and Battery, ça c'est un ETF, mais c'est pas du lithium directement. Ouais, tout ça c'est des sociétés ou des ETF associés au lithium, mais on n'a pas le lithium directement ici chez Admirals. Ah, ça se maintient, ça se maintient. On va voir si ça peut pousser sur le. Regardez ici sur GBPUSD, pour l'instant, en direction de la flèche, ici Target 2. Pour l'instant, ça peut se tenir un peu. On va aller voir ce qui se passe sur le 1 minute. On est sur de l'imbalance, hein, mais vous voyez la grosse imbalance qu'on a là aussi. On pourrait revenir quand même un peu plus bas sur les 15 400. Ah, GBP USD, décidément qu'il y a du mal. Une bougie vers le bas et je sors en stop suiveur, ça me ferait du 2 pips de Garnet. Rien qui nous disait partir comme une belle. J'ai pas eu le temps. Alors. Moi personnellement, tu vois, ça me dérange pas de pas avoir été dans ce mouvement-là, parce que très rapide, il y a certainement eu du slippage, vu la rapidité du mouvement, et c'est très agressif comme approche. Ouais, sorti du coup à stop suiveur sur GBPUSD, je vais vous montrer. Du coup, ici, 2 pips de gain rapide sur le GBPUSD, qui a du mal à rebondir sur sa borne basse, c'est dommage. Ça aurait pu être un beau point d'entrée sur GBPUSD. Je vais enlever la flèche, hop. Qu'est-ce qui se passe sur une minute dans cette zone? Ouais, ça rebondit encore. On est revenu ici chercher les creux. Alors, je sais pas si je vais avoir le temps de répercuter ça. Hop, c'est plutôt là. Allez. Je vous ai pris le trade ici pour le coup en graphique temps. Toujours dans l'idée du maintien possible de la zone de range, mais un TP1 idéal sur les 1,1983. Alors, idéalement du 7, 7, 7 et demi de TP serait bien, mais quel prix j'ai obtenu? Parce que, coup, 77, je suis rentré sur le combien, moi? 77,6. Il me faudrait idéalement les 83, 5, quelque chose comme ça, pour la hausse ici sur GBPUSD. Donc cette fois répercuté sur graphique temps. On va voir ce que ça veut donner. Jean-Yves qui nous dit du coup bonjour Jamy à tous avec un like. Bienvenue à toi Jean-Yves, ça fait plaisir. 69 likes sur le début de séance. Merci à tous ceux qui prennent le temps de liker, ça fait plaisir. Allez, une petite poussée sur GBPUSD, ça serait bien, histoire d'aller sécuriser une fois de plus. Hotno qui nous dit salut tout le monde. Pour ce dernier jour, bienvenue à toi Hotno, 83 pips sur le DAX, nous disait Alain. Bravo, 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 bravo du coup. Julien qui nous disait toujours admiratif des entrepreneurs, il faut de l'audace et se remettre en question tous les jours car rien n'est garanti, bravo. Merci beaucoup Julien, c'est clair, pas facile, pas facile. C'est sûr, mais du coup c'est comme on dit, c'est souvent le prix de la liberté aussi. On n'a rien sans rien et du coup ouais, c'est un choix, c'est un style de vie aussi, mais il y a des avantages, il y a des inconvénients. J'y trouve beaucoup d'avantages plus que d'inconvénients, mais c'est vrai que du coup voilà,
On n'a rien sans rien, c'est-à-dire que on n'a que ce qu'on obtient hein, par la force du travail, entre guillemets, donc c'est sûr que ça peut ne pas convenir à tout le monde, on va dire. Tu utilises la Magic Key, nous disait Nano. Du coup, je sais plus si c'est pas intégré dans l'assistant des traders. C'est pour ça, faudrait, je t'avoue, que je demande à Emmanuel. Otno qui nous a dit, moi, Jerem, tu sais si Admiral se proposera un jour, du coup, une comptabilité TradingView ou si vous avez proposé le partenariat de l'offre pro, comme certains brokers l'ont fait dans le passé. Normalement, on va être compatible TradingView courant du premier trimestre. Marc qui nous disait bonjour à tous, en retard, bienvenue à toi. Otno qui nous a dit on pue. Ouais, donc ça c'est bon. Christian qui nous dit bonjour à tous, bienvenue à toi. J'ai un démo MT5, on me demande d'ouvrir un réel. Pour garder ce démo, quel est le minimum du coup pour ouvrir un compte réel? Tu l'as ici, dans ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est 100 euros hein, de mémoire. Hop, on va regarder ça. Hop, ici, dans partie trader, du coup compte de trading. Ouais, le dépôt minimum c'est 100 euros. Voilà. 100 euros pour un compte réel MT5. Toujours en stand-by ici sur le GBPUSD. Il faut qu'il monte un petit peu, il a du mal. Marc, il nous dit aucun minimum 100 euros, c'est bon. Enfin, si oui, 100 euros, yes, exactement. Zubu qui nous dit bonjour à tous, bienvenue à toi aussi. Et à cool pour la compatibilité, pardon, TV, nous dit Marc. Yes, normalement, c'est prévu pour le premier trimestre. Allez, il faut que ça monte sur GBP, il a du mal, il a du mal. On a un DAX qui a commencé à rebondir. Pour moi, c'est pas un retracement extraordinaire. Donc je ne suis pas initié dedans, même si le système LTR ici m'indique la hausse. Mais du coup, il y avait des faux trades, enfin des trades perdants possibles à prendre si on prenait du coup le retracement comme ça. Donc là j'ai. De toute façon j'ai préféré éviter pour l'instant puisque c'est pas optimum. C'est pas optimum. Prendre des trades pour prendre des trades, c'est pas une bonne chose. GBPUSD, allez, on va voir s'il peut payer un petit peu. GBPUSD ici en direction des 1,1983. 3 pips. Allez, alors pour du 4, 5, 6, 7, que ça monte, soit que ça enchaîne, 4, 5, 6, allez, hop, si ça monte encore un petit peu plus, encore une bougie, Renko pour faire le TP, j'en profiterai pour gérer la position ici aussi, on n'est pas passé loin, faut que ça pousse un petit peu plus. Allez, c'est fait, sortie partielle sur du 7 pips, je vais pouvoir sécuriser à 7 pips. Je répercute hein, ce qu'il y a sur le système LTR là pour le coup. Les 7 pips sont où? Tiens. Je pense pas que je sois à 7 pips. Hein. Je vais vous mettre 7 pips par en dessous. Ah si, on n'est pas loin. On n'est pas loin. Je vais mettre par là. Hop, ici. Donc le trade qui a été pris aussi sur le système LTR. Hop, ici. Répercuté sur graphique temps. Oups, décidément. Voilà. Du coup, le TP1 est là. Le TP2, je vais le laisser pour le coup. Plus loin, je vais le laisser plus loin pour l'instant. On va voir ce que ça donne. On a quoi les 98? On va peut-être mettre les 97 quand même. Ouais, 97, 16, 6, pardon. Je vais revenir sur le chat. N'hésitez pas si vous avez des questions, je vais vous montrer les autres actifs, bien sûr. Le DAX donc, qui a réagi, qui est sur le test de son sommet précédent pour l'instant autour des 435. Une zone des 430-450 qu'il faut surveiller et sur laquelle il faut être vigilant aussi. Donc ici, scénario à 0, je vais vous mettre un zoom sur le GBPUSD. On va partir. Ah, c'est le 5 minutes déjà. Ok. Alors, on va rester sur le 5 minutes. TP1 de fait, on va attendre désormais plus que ça. Et pourquoi pas autour des 87 pour un TP2. Ouais, au final, pourquoi pas les. Alors, les 87 sont l'air de rien relativement proches. Ouais, c'est le test du sommet précédent en fait, les 87. On va essayer de garder les 97. Du coup, en TP2 sur système LTR. Et ici, j'irai sécuriser un petit peu aux alentours.
des 90, peut-être en attendant la zone supérieure ici, prix médian de la zone de range dont on avait parlé aussi ensemble ici. Donc on l'a zoomé puisque position en cours ici. Ah d'ailleurs, il faut que j'aille sécuriser aussi hop, sur le système LTR. Yes. Voilà. Donc toujours rien sur le DAX, un GBP, un FTSE 100 pardon, qui offre pas d'opportunités intéressantes, l'euro dollar pareil pour ma part, et le gold, rien de spécial. Donc vraiment le plus intéressant pour ma part c'est le GBPUSD pour l'instant. Joyeux heureux nous disait Marc, content que ça te plaise hein, ici. Pour TradingView, passer les trades directs depuis TradingView, moi je rêve. Excellent Marc. Alors je t'avoue que personnellement je pour mon trading perso, j'exécuterai encore sur MT5, mais on pourra faire des séances sur TradingView live ensemble, bien sûr. Aurélien qui nous est gogo GBP, ah, ça serait bien. Hein. Ça serait bien ici. Pour l'instant, il respire sur le point d'entrée. Marc qui nous dit, ouais, c'est sûr, je dois pas être tout seul. Oui, c'est clair. Hein. Mamadou qui nous est, hello Jérémy, bienvenue à toi. Marc, j'ai joué au Kamikaze, c'est très mal, mais bon, je gère par rapport au ratio capital investi 20% en un seul trade entre lundi et mercredi. LOL, turbo power. Waouh, attention, attention à pas te cramer les ailes. Mais bravo pour le score en tout cas. Fais bien attention ensuite par la suite au risque, bien sûr. Je like, tu like, il like, nous disait Zoubou et mon trade. Un grand merci Zoubou, ça fait plaisir. 82 likes, on n'est pas loin de la centaine. Très bien de finir la semaine sur l'objectif 125-150. Marc qui nous disait joli, bien dit Zoubou. Et Fabien qui nous disait aussi le DXY bloque sur les 104,80. Quel serait le support s'il commence à baisser? Alors l'indice up du dollar ici. Pour ma part, le support serait présent autour de ce niveau-là, qui va représenter du coup la borne basse du petit trading de range sur les 104,55, 104,50. Tu vois, tu as même la zone support S1 un peu en sécurité sur la zone. Alors le CAC 40, qu'est-ce qu'il fait le CAC 40? Il 9h21, il rejette pour l'instant sa résistance 7325. Peter qui nous dit, tu loues ton système LTR. Yes, yes. Si tu veux en savoir plus, tu peux faire une demande d'information des outils LTR par mail à l'adresse mail france@admiralmarkets.com que tu as dans le descriptif de la vidéo, deuxième ligne. J'en ai encore deux en cours, tu nous disais Marc. Ah, ça marche. Il traîne la patte 5%, mais on est vendredi. Bah, 5%, si c'est en positif, c'est bien déjà. C'est déjà bien. Après, tout dépend bien sûr combien tu as risqué sur le trade initial, puisque c'est proportionnel, mais c'est déjà bien. GBPUSD en stand-by. Alors, la petite barre noire verticale, ça va être corrigé. On a été un peu vite sur le lancement de l'indicateur gratuit Imbalance LTR. Mais du coup, ça va être corrigé très prochainement, la semaine prochaine. C'est pas grand-chose, mais du coup, faut le faire. Allez, en attente d'avoir de la hausse et de la poussée sur le GBP/USD. Donc un trade que j'ai pris sur le système Ether, je vous ai répercuté sur le système ici, enfin sur le graphique temps. Ça monte sur le DAX, sur le test du sommet précédent. Comme quoi les retracements relativement agressifs fonctionnent aussi. Pour moi c'est relativement agressif ici ce genre de correction. Mais attention, on est toujours dans la zone 430-450. J'ai 3,87% de frais à la vente plus la flat. La flat, tu veux dire la flat tax du coup, Marc? Robert qui nous dit bonjour, la location du système LTR englobe une formation. Alors en fait, tu as une formation gratuite sur la chaîne YouTube et sur le site en question. Je ne peux pas donner l'adresse directement, mais vous pouvez avoir avec l'adresse, enfin avec la demande des outils que vous pouvez faire par l'adresse mail à Admiral. Mais en fait, tu as une formation gratuite de 18 vidéos. Et du coup, tu as l'allocation ensuite payante du système. Et la formation complète, pour le coup, est payante en séparé. Puisque là, pour le coup, c'est aussi ce qui englobe les lives l'après-midi que je fais avec les LTR VIP. Du moins, quand j'aurai fini la mise à jour, parce que c'est ce qu'on a fait l'année dernière. Par exemple, au mois de septembre, ensuite, on s'est mis sur la mise à jour. Donc, j'ai mis en stand-by. Et du coup, ils ne payent pas l'abonnement puisqu'ils sont LTR VIP et qu'ils ont pris la formation.
Mais sinon, ouais, c'est une formation complète à part payante. Mais pour la partie location du système, tu as une formation gratuite de 18 vidéos. Il y a déjà beaucoup de choses qui peuvent t'aider à prendre en main le système et t'aider à trader au quotidien. Marc qui nous disait, du coup, oui, flat tax, yes. Oui, bah alors après, tu verras bien sûr avec l'ensemble de tes gains réalisés pour tout ça. Mais je t'avoue que j'en tiens pas compte au quotidien, j'en tiens compte à la fin de ça. Marc qui nous est le RR 1 pour 2 environ sur mes trades turbo. Ça marche. Ça marche. Bah du coup, plutôt bien, parce que quand tu gagnes deux fois ce que tu risques. Après, il faut voir le taux de réussite que tu arrives à en tirer sur le long terme. Du coup, petite correction sur le GBPUSD, il a du mal à continuer. On va descendre sur le 1 minute, voir qu'est-ce qui se passe dans le détail. Ouais, on a des mèches sur le dernier sommet, on a du mal. Alors je suis sécurisé derrière de toute façon, mais du coup, on va voir la respiration qu'on a là. Alors dans le détail, ici, qu'est-ce que ça me donne? Hop. C'est du 6, 7. Alors faut que je remonte un peu si je veux être voilà, à bonne hauteur. Et on va laisser faire. On va laisser faire ici. L'ensemble des moins-values, tu veux dire? Bah, ça dépend si tu as fait des plus-values ou des moins-values, Marc, par rapport à ton ratio des 1 pour 2, pour payer ta flat tax à la fin. Merci, il faut attendre la mise à jour. Alors, sur MT5, nous disait Robert. Bah, c'est ce qu'il y a de mieux. Clairement, dès que la mise à jour sera finie, le backtest sera réalisé et je reprendrai les lives avec les LTR. Donc, si tu veux prendre la formation pour être live avec moi tous les après-midi, c'est sûr que c'est mieux d'attendre la mise à jour. C'est ce que je dis très souvent. D'ailleurs, on me pose souvent la question et on me dit très souvent que c'est bizarre parce que. La plupart du temps, c'est pas comme ça que les personnes agissent, mais dans le sens où je pourrais vous vendre de la formation pour vendre la formation, mais c'est pas ce que je fais. Moi, je vous vends vraiment ce que je fais, donc je suis prêt à attendre tout simplement déjà que la mise à jour soit faite pour relancer la formation. Il n'y a aucun souci avec ça. Rootboy qui nous dit bonjour, bienvenue à toi, Rootboy. Marc qui nous dit du coup, j'ai 9K à récupérer en moins-value, j'ai honte. Ah, je savais pas, excuse-moi, Marc, du coup. Bah écoute, j'espère que ça va bien se passer, surtout bah, tombe pas dans le revenge trading, mais ça, je pense que tu le sais. Et du coup, petit à petit, hein, on dit l'oiseau fait son nid, mais petit à petit, tu peux revenir en suivant ta méthode au fur et à mesure, bien sûr, du moment que tu as bien fait ton étude, tout ça. Mais j'ai 10 ans pour le faire, yes, aussi. Voilà, tu relativises et ça, c'est bien aussi. Du coup, Marc, faut toujours rester positif dans son trading. Et du coup, voilà, jamais tomber dans le revenge trading, dans ces choses-là qui vont endommager d'autant plus le capital. Vraiment pour l'instant pas grand-chose hein, en termes d'indice boursier. On a de la baisse potentielle. C'est vrai que j'ai pas été la prendre la baisse ici sur le FTSE 100, mais c'est une baisse de correction on va dire. Sur le graphique horaire, on aurait de quoi respirer comme je vous le disais un peu plus sur les creux précédents. Sur le 15 minutes, on voit le rejet pour la troisième fois de la résistance. On casse des creux, on revient sur une imbalance qui est juste ici. Imbalance qui est juste ici, c'est vrai sur le bout de cette mèche ici, j'ai pas pensé à aller voir du coup puisque là, hop. On avait un petit peu de rejet pour descendre. Bon, j'étais sur le chat. La baisse qui va sans doute se faire. Tant pis, je suis initié sur GBPUSD. Sécurisé. Bon, voilà. On va voir. Mais je pense ouais, qu'il y aura un petit peu de baisse. Sur le système LTR, on est sur les quasiment deux bougies. La troisième bougie qui aurait fait la sécurisation de position. Mais il y avait un peu de baisse à prendre sur le FTSE 100. Donc ça, c'est l'indicateur gratuit LTR Imbalance. D'ailleurs, quand on l'aura remis à jour juste par rapport à la barre qui est verticale qui arrive de temps en temps, il suffira juste de le retélécharger au même endroit sur le site. Vous pouvez de toute façon le télécharger autant de fois que vous voulez, puisque c'est un indicateur gratuit directement sur notre site. Tout ça grâce à vos cours sur Admiral, je ne le rappellerai jamais trop, tu disais. Admiral, respect. Bah alors, par rapport aux 9K de récupérer en moins à récupérer, si c'est par rapport au cours Admiral, c'est pas très flatteur. Si tu vois ce que je veux dire. Mais si tu es en train de les récupérer grâce au cours Admirals et du coup à ce que tu vois dans les lives du matin, là c'est flatteur et ça fait plaisir. Mais vu que tu mets respect à la fin, j'ai l'impression. Hein. Merci Marc du coup pour ton retour. Je transmettrai Admiral. Ça fait toujours plaisir à savoir. 95 likes, on n'est pas loin de la centaine, 141 ce matin. Dites-moi si vous avez des questions, des actifs que vous voulez voir. On va regarder l'USDJPY. Donc l'USDJPY toujours entre cette zone breakée résistance et la prochaine. Hein. Donc ici cette zone de résistance qui passe support, bien évidemment.
je vous parle de ce niveau-là, de toute cette zone-là, et la résistance de ce côté-là, des 137,75. On a un graphique OAR qui va nous montrer quoi. Hop, on va rentrer dans le détail ici. En fait, c'est la réintégration de ce niveau-là. Zone de range également ici. Hop. Je vais juste la désectionner comme ça. Voilà. Donc ça prend place en fait autour des 136,50 pour les 135,90. On a la zone support S1 qui est pas très loin du prix médian, mais c'est la consolidation avec des fausses cassures par le haut, par le bas. Donc vigilance sur l'USDJPY. L'USDCAD dans son range daily est prévu entre les 136,90 et les 135. Le graphique horaire qui nous montre un petit peu de correction, mais la recherche aussi de la borne basse de la zone de range interne à la zone de range daily. Je vous rappelle que la borne basse va être présente hop, ici. Sur les 1,35,62 ou une borne haute sur les 1,36,55. Donc on est toujours à l'intérieur du range, attention. Petit point Bitcoin, on est fini par rejeter la zone de range ici pour mieux respirer. Si on regarde sur du daily par exemple, qu'est-ce qu'on avait? Grosse imbalance ici récupérée à 100%. On a l'order block par le bas ici à venir chercher, donc ça ne m'étonnerait pas qu'on descende encore un peu. Sur l'Ethereum, ça va être le même concept, clairement. De toute façon, on a une belle corrélation ici. Donc on a encore l'imbalance. Tiens, on l'a tapé cette imbalance déjà ici. On a aussi l'order block à venir chercher un peu plus bas, mais vous voyez que ça fait partie d'une consolidation plus large et plus présente ici avec ces sommets qui bloquent, ces creux qui bloquent également ici. Voilà pour le petit point rapide sur quelques actifs supplémentaires. On peut aller voir les autres par la suite. Du coup, ouais, c'est quasiment. Ouais, ça aurait été un beau scénario. Enfin, un scénario TPA en tout cas touché sur la vente du FTSE 600. Je suis toujours initié sur le GBPUSD et en stand-by, tandis qu'on a un DAX qui va commencer à hésiter plus en plus. Pour moi, sur le M1, ça commence à partir en range, attention. Marc qui nous dit non, les 9K, c'est l'expérience tout trader débutant, 3 ans maintenant. C'est pas énorme au final, et en plus, c'est à cause des invest actions, pas du trading, seulement 2K en trading. Ah ok, ça marche. Et Marc, tu nous disais, c'est surtout non respect des règles que vous m'aviez appris, que vous m'avez apprises, donc c'est 100% de ma faute. Ah d'accord, ça marche Marc, pas de souci. Bah, content de savoir que le contenu Admirals et ses lives aussi t'aident au quotidien. Marc, tu nous disais, pour les autres, c'est à cause de ma fierté que j'ai perdu, je n'ai pas voulu prendre mes pertes. Bah, tu fais bien de le souligner, parce que je pense que tu vois, ça peut être une leçon à partager avec les autres aussi ici, c'est que en trading, on doit vraiment... du coup, mettre sa fierté de côté. Pour moi, il n'y a rien de personnel en fait dans le trading, même si on peut y voir beaucoup d'aspects personnels, parce qu'on dit que c'est notre capital, que c'est nos décisions, etc. Mais vu que j'ai pris le choix, si tu veux, et la route du trading systématique et semi-automatique, pour ma part, en fait, c'est juste ensuite voilà, un respect des règles, mais pas des prises de décision, parce que mes prises de décision sont... décider de manière logique et de manière systématique. Donc j'enlève ce poids de mes épaules pour le coup, et je prends les pertes parce que bah, les pertes sont à prendre, et c'est aussi l'assistant qui m'aide à respecter ça avec un stop placé que certes manuellement si je le voulais je pourrais aller déplacer, mais l'idée n'est pas là bien sûr, puisque l'idée c'est d'exploiter l'avantage statistique qui a été prouvé et prouvé par les tests précédents, etc. Donc tu vois, ça m'aide si tu veux à enlever tout cet aspect un peu émotionnel et personnel dans mon trading. Et c'est quand je dis justement utiliser des choses concrètes au quotidien dans notre trading pour mieux vivre notre trading, mieux respecter les règles et mieux trader, c'est exactement ce genre de choses. Tu vois. Donc très important ce que tu dis ici, c'est bien de le partager avec tout le monde parce que ça peut donner soit une petite piqûre de rappel pour les uns, soit une bonne leçon aussi pour les autres pour éviter de commettre ce genre d'erreur aussi. MFA qui nous disait bonjour Jérémy, bienvenue à toi MFA. Du coup, Marc qui nous est du coup, ouais, grave, et du coup un trade perdant où tu prends tes pertes est un bon trade, 50% des gains en jouant au loto est un mauvais trade. Exactement, exactement, on est d'accord, tout à fait Marc, tout à fait. Tant que tu respectes ta stratégie, exactement. Didier qui nous disait, moins 9K pour moi aussi depuis 2020, et je compte bien faire x100 dans l'autre sens d'ici ma mort. Je te le souhaite Didier, clairement. Mais tu as le temps aussi, et du coup, voilà, chaque chose vient au fur et à mesure, c'est important de pas aller trop vite, mais du coup tu es sur la bonne voie puisque tu as bien démarré l'année, hein, d'après ce que tu nous dis Didier. Et ça, ça fait plaisir à voir. Allez, est-ce que je peux sécuriser un tout petit peu? J'ai pas l'impression. Si, je peux sécuriser un tout petit peu. Je vais remonter du coup sur, c'est quoi 4 pips, sur les 1,1973. On va remonter, du coup, je vais remonter le stop sur les 1,19, je vous disais, je crois, 75. Juste ici, donc quoi qu'il arrive, petit scénario gagnant, je commence à pouvoir sécuriser, mais bon,
Faut-il encore qu'on arrive à débloquer ici les sommets précédents? Et j'aimerais aller nettement plus haut. Pourquoi pas les 97, ça serait bien. Les 19,97, ça serait plutôt pas mal. Mais pour l'instant, rien de tel. Ça continue de monter. On est toujours dans cette zone. Et en plus, on a la R1 face à nous sur le DAX. Attention. On a un gold qui bute aussi. Vraiment, rien d'extraordinaire, je trouve, ce matin. GBPUSD, certes, qui est intéressant, mais qui prend beaucoup de temps à se développer. Le trading, c'est pas du poker. Faut pas faire all-in, lol. Exactement, Marc. Exactement. Et dans les 90% des traders perdants, ou par exemple chez Admirals, 80% des traders particuliers perdants, bah malheureusement sont comptabilisés ceux qui prennent le trading comme un poker, comme un jeu de loto, un jeu de hasard, et du coup ils disent soit ça passe, soit ça casse, mais c'est pas en faisant ça que ça se passe bien, hein, clairement, clairement. En fait, sur le FTSE 100, on est toujours dans un range. On n'arrive pas à rechercher. Alors, j'aurais pu prendre tout sur la borne haute, ça aurait fait un petit setup, mais c'est vrai que par rapport au contexte qu'on a vu ici, du coup, ici, je vous fais un peu plus du discrétionnaire aussi. J'aimerais voir, voilà, la sortie par le haut pour ne serait-ce qu'aller récupérer un peu par là. Parce que là, à l'intérieur, si vous voulez, vous rangez, hein, on range en fait. Du coup, sur le 5 minutes ici, on est sur la borne haute et j'aimerais pouvoir avoir une percée de cette borne haute pour pouvoir vraiment aller plus haut en fait. C'est pour ça que pour l'instant. Ça a aussi du mal à casser, ça s'explique parce qu'on est dans de la consolidation, on n'est pas sorti de la zone de consolidation. Tiens, c'est le footissant au final qui aurait pas été si bas. Si bas que ça, il est en train de récupérer et de remonter direction les 7904, pardon, 7970, voilà. Et déjà 9h36. N'hésitez pas à liker, partager un maximum. C'est ce qui nous permet d'être live tous les jours de 8h30 à 10h. Partagez beaucoup en trading et faire de plus en plus de choses. Je vous le disais, cette année, ce sera le retour des vidéos tutos sur la chaîne YouTube. Ça devrait commencer à prendre place du coup au mois de mars. Je vous préviendrai en tout cas, bien évidemment. Et tout ça, c'est possible parce qu'on est là, du coup, vous avez été nombreux à liker l'année dernière et à partager aussi les vidéos, à vous abonner. Donc n'hésitez pas, pareil, pour voir en fait les replays de certains webinaires ou les prochaines vidéos, ou même les lives qui nous attendent. La petite cloche sonore pour être prévenu quand vous vous abonnez, c'est important. Merci pour les 102 likes déjà atteints. Marc qui nous est bienvenu au club Didier avec un sourire, et Didier qui a envoyé des smileys. Alors on a un petit peu de temps peut-être, alors je vais juste regarder parce que peut-être que je peux prendre 25% sur la borne haute si je veux vraiment éviter du coup, donc par exemple sur la 88, si je veux vraiment éviter si jamais ça reste en trading de range, si je veux éviter d'avoir un scénario trop petit. Sur le système, ça correspond à une bougie de plus pour faire les 1,19,88,1. Et on pourrait du coup je pourrais prendre un petit 25% et puis ensuite je laisserai courir sur le breakout possible de la zone. Allez, un petit peu de peps ici. Faudrait il faudrait qu'il se réveille, hein. Ce GBP/USD, ça serait bien. Réaction sur les 15 450 pour le DAX. Ouais, ça hésite avec son. Si on a un double top sur le GBP/USD, c'est pas génial. Allez, JBP qui a du mal, il a du mal, mais il nous reste un petit peu de temps. On a des petites publications qui arrivent en fin de séance aussi. Alors, ce que ça donne. Dit qu'il nous dit si on casse la R1, je me gâte, comme ils disent au Québec. Excellent, bah écoute, je te le souhaite. Je te le souhaite, alors on va juste remettre en contexte un petit peu ici. Pour voir ça, parce qu'on a la R1 qui est là, on a des sommets juste au-dessus. Donc en fait on a la borne haute, ouais, c'est une zone que j'ai établie en borne haute aussi de range, donc attention, juste au-dessus de la R1, à cette zone-là. C'est ouais avec les 475 aussi. 475, là on est en train de respirer. Ah, du 6 pips sur. Ah, il faut un peu plus que ça sur GBPUSD.
GBPUSD, j'attends vraiment le test ici du sommet autour des 88 pour bah c'est là où j'avais, je crois que c'est là où j'avais placé la flèche tout à l'heure d'ailleurs, la flèche verte pour le TP. Hop, ici c'est 88.1 même, hein. Alors j'ouvre juste la petite fenêtre ici pour voir ça. Et je peux paramétrer un TP, mais ça va être un TP partiel et c'est dommage. TP plein, pardon. Alors que j'aurais aimé un TP partiel, justement. Ah, je viens de voir ici, pendant que j'étais en train de regarder ça, retracement qui fonctionne, TP1. Le TP2, je vais pas me faire prier, je vais le prendre très vite aussi, puisqu'on est assez haut sur le DAX. Et je vais pouvoir sécuriser le tout. Donc TP1, TP2 de fait très rapidement. Donc ça fait du 7, 9 points. J'aurais même pu prendre le dernier sommet, mais je fais attention parce qu'on est déjà assez haut. Donc 7 et 9 points, sécurisé. Je peux même me placer break-even vu l'amplitude du mouvement. Du coup, on a finalisé un achat sur le DAX. Ah, et je suis en short sur le. Je viens de voir aussi en short sur le FTSE 600. Pour l'instant, tout reste à faire sur le FTSE 600 pour un TP1 sur les 7961. Donc voilà, deux positions sur un 10, tandis que je suis aussi sur le GBPUSD, ça commence à se réveiller un petit peu. Mais c'est vrai que pour l'instant, le FTSE 100, lui, il est pas bien orienté, puisqu'il veut continuer de monter, et on a un DAX qui continue de monter. Ce qui est bien, c'est que le DAX, je vais pouvoir le sécuriser aussi rapidement. Enfin, il est sécurisé, un TP1, TP2, break-even, mais là, je vais même pouvoir placer mon stop suiveur au niveau du TP2. Donc ça me fait un stop suiveur de 8,5 points pour l'instant. Alors on va voir si ça peut tenir. Ça pousse sur l'extension 127.2 de Fibo, c'est plutôt bien. FTSE 100 clairement pour l'instant qui a du mal à réagir. Ah, du 8 pips, on n'est pas loin, on n'est pas loin. Allez, encore un peu plus pour du 25% de target ici, fin de sortie partielle. Voilà, il a un peu de mal ici. C'est en train de monter. Je pense que je vais pouvoir prendre, voilà, 25%. Ça, c'est bien. Ma target 2, du coup, finale sur GBPUSD, je vous disais, à 19,97, c'est en train de se faire. Donc on a dépassé l'objectif, ça c'est bien, je vais pouvoir enlever ça. Voilà, donc 15 pips en cours, la target finale autour, je vais monter un petit peu, il rame un petit peu mon MT5, j'ai l'impression ici. J'avais mis la target, voilà, autour des je vais la mettre 97, je pense. Je surveille le DAX qui va respirer un petit peu trop peut-être. FTSE 100 n'a peut-être pas dit son dernier mot. Le DAX respire, donc je vais peut-être sortir sur les 55. Donc je surveille ça. Mais voilà, le hop, je sors sur les 55 aussi. Je vais vous montrer un petit peu tout ça. Hop. Donc voilà, on n'est pas loin de la target ici intéressante sur GBPUSD. Sortie TP1, TP2 positif sur le DAX finalement. La patience qui paye ici avec du 14 points en sortie finale. Le FTSE 100 qui est toujours en cours. Pour de la baisse, on serait tenté de revenir sur le point d'entrée pour l'instant. Et là, on va respirer un petit peu sur le GBPUSD. J'ai repris 25%. Du coup, ici, je vais enlever la flèche puisque du coup, bah, on est hop. Alors pour ça, je pense qu'il faut que j'aille sur le M1 superposition des objets décidément avec le watermark qui est pas très pratique. Voilà. Du coup, j'ai pris où? Hop, j'ai pris là. Pour l'instant, sur les 91. Ok. Donc, on va laisser faire encore un petit peu. Je vais quand même remettre ça en 5 minutes. Du coup, pour avoir une vision un peu plus globale et la target au-dessus. La target, alors je vais descendre un peu quand même autour des 80. Parce que là, la séance se rapproche aussi de la fin autour des 98 pour un TP final, un petit peu comme sur le système LTR. Donc là, fini pour mon achat TP1, TP2, stop suiveur positif sur le DAX. En cours sur une vente sur le FTSE 100 où tout reste à faire. Et un GBPUSD ou TP1, TP2. Du coup. Ah non, c'est, je l'ai pas pris, je l'ai pas pris parce que c'est. Oui, je l'ai remonté comme un TP final. Ok, un peu fatigué. Hop, ici. Mais on va voir si c'est possible et je vais continuer de gérer la position. Je vais me placer break-even tout simplement désormais aussi sur GBPUSD. De toute façon, j'ai pris 25% aussi sur le graphique temps. Donc voilà, je vous montre différentes variantes aussi ici.
sur la gestion de position possible. Ça continue de remonter pour l'instant sur le DAX. Ça respire un peu sur le GBPUSD, le FTSE 100 qui se pose des questions. Je reviens sur le chat ici, je regarde sur Zoom, il n'y a pas de questions. On en était au graphique qui faisait l'indice du dollar, s'il te plaît. Alors l'indice du dollar, il est ici. Et pour l'instant, il est baissier direction sa borne basse autour des 104,55 avec la zone support S1 sur les 104,50 quasiment. En intégrant le range ici précédent sous le point pivot du jour. Alors la R1, tu nous disais, il suffit de demander là. Excellent. Excellent Didier. Le Mystère qui nous dit salut, comment tu vas? Ça va bien, j'espère que toi aussi, Mystère, bienvenue parmi nous. Je remonte un petit peu, on en était où? Il s'est passé deux, trois petites choses, du coup j'ai pris du retard sur le chat. Toujours en cours sur le GBPUSD. Toujours en cours sur le FTSE 100, mais le FTSE 100 qui a tendance à trop remonter pour l'instant. Grégory qui nous dit bonjour, c'est le dernier jour avant le week-end. Yes, bienvenue à toi. Otno, tu sais comment reconnaître un haut fort ou un bas fort qui ne serait pas dépassé du fait des ordres placés à ces endroits? Alors si tu parles des sommets et des creux majeurs, ils sont sujets à être dépassés. Si tout sommet, tout creux représente des niveaux de liquidité qui peuvent être tentés par le marché justement, tentés d'être décrochés entre guillemets, c'est-à-dire d'être franchis pour mieux repartir dans l'autre sens, ou d'être carrément franchi. Et alors là aussi, on peut être aspiré dans l'autre sens. Donc en fait, t'as pas de 100% par rapport à ça. Et ce que tu peux faire, c'est mettre ton marché en contexte pour te dire que si tu es dans une tendance favorable, tu es peut-être plus sujet. Et ça, c'est justement ce que je disais dans le webinaire sur les fausses cassures. Je vais te partager, je sais pas si tu l'as déjà lu, vu pardon, parce que c'est une vidéo, mais tu as l'article aussi qui correspond. Fausse cassure, ou je crois que je l'ai appelé bull trap aussi, bear trap. Voilà, hop, ici dans le descriptif de la vidéo. Tac. Ah, faut que j'aille le mettre, faut que j'aille le mettre. Ça, c'est le webinaire, si tu veux, sur les fausses cassures. Je te partage ça. Un article complet aussi que j'ai fait justement à ce sujet-là. Je vais aller chercher du coup sur internet. C'est simple, hein. Tu mets bull trap, bear trap avec Admirals par exemple. Et du coup, tu as l'article ici complet aussi que je te partage, qu'il faudrait que j'aille mettre d'ailleurs dans le descriptif de la vidéo. Toujours encore sur le GBPUSD. Toujours encore sur FTSE 100. Il reste beaucoup à faire sur FTSE 100 puisqu'il a du mal à descendre pour l'instant. Nano qui nous est sur MT5, je ne trouve pas pour installer les moyennes mobiles. Je dois être bigleux ce matin, lol. Non, t'inquiète, regarde. Normalement, en haut, tu as raccourci ici pour les modèles et indicateurs. Donc, dans la partie ici, indicateurs, tu as tendance. Et tu as du coup moving average. Si tu vois pas ça, tu peux faire tout simplement insérer indicateur tendance moving average. Tiens, dis-moi si c'est bon pour toi du coup. Marc qui nous disait, bah, ça dépend ta stratégie. Moi je restais pardon, en break-even en priant que ça ne frôle pas trop. Toujours cette histoire de fierté. Mais bon, se manger un break-even, c'est moins grave qu'un SL. Yes. Alors, le break-even, on me demande souvent pourquoi je fais pas de break-even. Dès que je touche par exemple mon TP1, c'est tout simplement parce qu'en termes de probabilité, du coup, selon l'emplacement bien sûr de votre TP1, vous avez de fortes probabilités de revenir sur le point d'entrée avant de continuer le mouvement si c'est un setup et un bon scénario. Et du coup, ça fait des sorties break-even fréquentes. Donc, c'est pour ça que je suis pas très fan de ça. Là par exemple, je me suis placé break-even sur le GBP/USD parce que j'ai eu un mouvement nettement en ma faveur. Donc, je peux me placer ici parce que de toute façon, là par exemple, si cette bougie clôture, je vais très certainement même sortir au marché, tu vois. Regarde, si ça clôture sur la 19,80, je vais sûrement sortir au marché. Et du coup, c'est pour ça que j'ai pu me placer break-even. Parce que de toute façon, maintenant je suis en stop suiveur et je vais sortir même avant le niveau de break-even. Donc autant de mettre break-even si jamais ça décale d'un coup et que j'ai pas le temps de sortir en manuel. C'est sûrement le FTSE 100 ici qui va être un trade perdant.
Ce que je vous disais, on ne peut pas enchaîner que des trades gagnants. On a eu des très belles séances hier avant-hier. Voilà un très beau trade hein, pour moi sur le DAX ici. Sur GBPUSD, petit trade par là. Pour l'instant, petit trade ici aussi, mais qui a un plus beau potentiel. Donc on verra si on peut atteindre la target. De toute façon, je clôture avant la fin de séance hein, ici. Et du coup, bah, un trade qui serait perdant ici sur le FTSE 100 par exemple. C'est normal, il faut bien que des trades perdants si on veut des trades gagnants hein, en trading. L'EURUSD qui se prend moins la tête que le GBP, tu nous disais. Yes, mais alors l'euro GBP, pour moi, je ne l'ai pas trouvé intéressant ce matin. Il vient à peine de repartir sur de la tendance haussière. Il avait un range piégeur possible, donc c'est pour ça que je n'ai pas trop aimé. Il est limité pour l'instant par les 1,0625 d'ailleurs. Marc qui nous est, du coup, il ne faut pas regretter la perte de gain si j'étais sorti là, etc. Ouais, exactement, faut pas tomber dans les regrets, hein. Ça c'est vraiment mauvais. Allez, je vais sûrement sortir ma position un peu partout sur le GBPUSD, puisque je le répercute ici aussi. Hop, voilà, je vais sortir ici, je vais sortir par là. Sortie de mes scénarios, du coup, pour des scénarios gagnants. C'est pas extraordinaire puisqu'on n'a pas su vraiment s'affranchir de la zone de range. Mais deux gains, donc deux gains sur le GBPUSD, un gain sur le DAX. Peut-être une perte en cours sur le FTSE 100, c'est le dernier trade qui me reste en cours. On est à une ou deux bougies du stop. Mais tout peut se faire entre un stop et un TP. Idéalement, TP 1, 7961,30, TP 2, 7957,47. Ce serait bien de voir le rejet ici de la zone, mais pour l'instant, ça a du mal. Ça a du mal. Donc après, rien à redire, hein. Ça peut tout à fait être un trade perdant, il en faut bien. De temps en temps. Rafik qui nous dit bonsoir, bienvenue à toi, du coup Rafik. Je pense que l'art a besoin de respirer. Alors le gold ici, yes, hein, face au 1845, il va réintégrer son petit range ici. Hein, si on regarde ça sur le 5 minutes, on peut le voir clair et net maintenant, ce petit range ici aussi. Donc ça donne quoi comme niveau? Ça donne les 42,50 d'un côté et les 44,50 de l'autre. Marc, tu nous disais aussi, il ne faut pas regretter. Oui, ça, pardon, je l'ai lu. Il faut assumer ses décisions, surtout quand on ne perd rien. Le trading, c'est du coup une école où on apprend à se maîtriser, on apprend beaucoup sur soi, sur la vie. Oui, clairement, tout à fait, on est face à soi-même, hein, clairement, en trading. Je suis bien d'accord avec toi. Rafik qui nous disait pour l'or, voilà, c'était lu, le trading rend philosophe. Alors, je trouve qu'il est, j'allais dire psychologue, mais il y a une partie de psychologie énorme aussi en trading, clairement. Et puis, philosophie, oui, je vois ce que tu veux dire. Je vois aussi ce que tu veux dire. Didier qui disait à Nano, insérer tendance et moving average. Yes, merci pour la réponse, Didier. Le mystère qui nous disait, comment tu vas? Ça, je crois que je l'avais lu, yes. Je t'avais dit hein, déjà, Cyril. Attends, je remonte. 90 points ce matin, bonne semaine pour le moment. Super, Didier, félicitations. Je remonte un petit peu, ça a décalé d'un coup. Ah, je suis un peu en retard sur le chat quand même. Cyril, voilà, qui disait, du coup, il y a des publications importantes aujourd'hui. Alors, un peu plus cet après-midi, je te remonte ça si tu veux sur la fin de séance. Rafik qui nous est l'indice du dollar, on l'a vu. Voilà, utilises-tu des clôtures partielles? Oui, énormément. Je trouve que c'est très intéressant, très important. Ça va sûrement finir en stop sur le FTSE 100 ici. Donc, après deux trades gagnants sur le GBP et le DAX. Donc deux, pardon, sur GBP, un sur le DAX, un trade perdant, du coup très certainement désormais sur le FTSE 100. C'est ça aussi la réalité du trading, on a des trades gagnants, on a des trades perdants. Eric qui nous est bon début de journée, sortie du DAX sur la R1, je ne sais pas combien de points il met, 25 000 de 15 200 à la R1. Alors de 15 200, alors on va regarder ça si tu veux, regarde. Parce que c'est vrai que du coup les notations de base sur la plateforme ne sont pas extraordinaires. Puisque si on part sur des 15 200, tu vois, hop, ici 15 200, je tire jusqu'à la R1, il y a marqué en effet 25 000, du coup 582. Par contre, quand tu regardes les cotations, tu passes de 15 200 à 15 455. Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, tu vas avoir surtout 255 points plutôt que 25 582. Donc c'est la virgule, il faut savoir où la placer. Pour ça, tu peux regarder le différentiel des cotations et du coup, ça te permet de savoir où la placer. Voilà, sortie en stop du coup sur le FTSE 100.
Donc trade perdant en foot 600, 2 trades gagnants en GBP/USD petit et un scénario plutôt sympathique TP1, TP2, stop sur en positif sur le DAX. Donc voilà pour finir tout simplement la séance puisqu'il est 54, on va faire le point marché. Je vais rattraper aussi mon temps, mon retard pardon, sur le chat. Marc qui a envoyé un coucou à Didier. Dis-moi du coup Eric si c'est clair pour les notations. On est vendredi, ce soir 22h, tu vas regretter d'être sorti, lol, mais bon, du coup, j'ai pas suivi cette semaine. Rootboy qui nous est PMI Composite, GBP à 10h30, non manufacturé US à 16h30, Didier. Yes, on va voir ça hein, sur la fin de séance si vous voulez. Dites-moi si vous voulez quand je vous remontre aussi le calendrier en fin de séance. Hein. Rootboy qui nous est 16h USA, voilà, Marc qui nous est, non, la clôture des indices heure française est 11h. Oui, j'allais dire, tu veux dire 23h, voilà. Roadbike qui nous dit, oups, pardon, c'était pour Cyril, pas de soucis. Marc qui nous dit, c'est moi qui a rien compris. Lol, Yaki nous disait bonjour. Juste le temps de mettre un like, bienvenue à toi, Yann. Merci pour le like, ça fait plaisir. 115 likes, allez, plus que 10 likes, on fait le TP1 des 125, ça serait top. Du coup, Otno qui nous disait, oh, je prends les liens. Encore une fois, merci beaucoup, je t'en prie, Otno, avec grand plaisir. N'hésite pas, c'est fait pour ça. Marc qui nous disait, Jérém, compliment pour ton webinaire Ishimoku, je l'ai regardé hier. Merci beaucoup, Marc, merci, merci. Plaisir Didier qui nous est du coup. Alors tu parles Marc du privé ou de celui qui est sur YouTube. Didier qui nous disait 90 points. Ouais c'est vrai. Bravo félicitations Didier pour ton score. Loïc qui nous dit salut Jérémy. Tu as déjà essayé les options binaires? J'ai essayé les options binaires en effet. C'est alors je les avais essayé chez un autre broker. Donc je citerai pas le nom bien sûr. Il n'y a pas d'options binaires chez Admirals. Et du coup bah écoute c'est ça peut être quelque chose, mais le problème c'est qu'il y a eu beaucoup d'arnaques autour de ça. Donc déjà, il faut faire énormément attention vers qui on va en termes de broker pour les options binaires. Et après, il faut bien comprendre le concept des options binaires, c'est que on va véritablement être dans un concept où tu as du coup un taux de réussite qui doit être plus élevé puisque ton ratio ne sera pas du coup supérieur à 1 point. Après, il y a différence à faire entre options binaires et du coup les options standards où tu peux faire d'autres choses et des stratégies beaucoup plus évoluées avec le marché options standard en fait. Nano qui nous dit super merci, je confirme, j'étais du coup bigleux lol, pas de soucis Nano, t'inquiète. Hop, et c'est qui nous dit je m'abonne, ça fait plaisir, et c'est Marc qui nous dit tout à fait, Jérém, le BE fait souvent perdre tes gains, d'où le fait que c'est mieux de prendre ces petits gains. Yes, les partiels qui aident du coup à ce moment-là énormément. Grégory qui nous dit break even, c'est la définition. Oui, BE break even, yes. Le fait de mettre ton stop loss à ton point d'entrée. Marc qui nous dit c'est surtout ne jamais baisser son SL en cas de trade. À l'achat, exactement. Marc qui nous est l'inverse à la vente, ne pas le remonter. Exactement. Sinon, tu agrandis ta perte et là, c'est vraiment pas bon. On part en mode espoir, etc. L'or ETE, tu nous disais Rafik en 5 minutes. Alors, l'ETE ici. Alors, peut-être en formation, mais là, ouais, petite épaule, une tête, petite épaule ici possible. Et peut-être plus définir en même un peu pour le coup, mais en formation possible, yes. Mamadou qui nous clôture GBP/USD, vend l'USDJPY 136, 38. Attention, Mamadou a pas donné des indications sur les positions que tu prends live, sinon ça peut être interprété comme des signaux, des conseils en investissement, chose qu'on n'aime pas ici sur le chat chez Admiral. Marc qui nous disait en sniping, pourquoi pas. Ah, je pense que tu parlais de. Ah oui, tu avais demandé le time frame, voilà, un graphique, merci Marc. MFA qui nous disait, voilà, comment s'appelle l'indicateur sur la fenêtre d'un deuxième écran. Alors, est-ce que tu parles du deuxième écran quand je glisse, hop, ici, ça là, comme ça? Si c'est de ça que tu parles, c'est système LTR. Tu peux l'essayer, il y a une version d'essai gratuite 15 jours. Tu peux faire un mail de demande d'information des outils LTR à l'adresse mail france@admiramarkets.com dans le descriptif de la vidéo, deuxième ligne, et tu auras 15 jours d'essai gratuit sur le système. Didier qui nous est le DAX hésite du coup au-dessus des 450 pièges en vue. Yes, faut faire attention. Faut faire attention. Pour l'instant, il range sur le M1 pour ma part. Il est un petit peu haussier, mais il teste les 61,8 de Fibo sur le 5 minutes. Marc qui nous est du coup. On dit pas il hésite, on dit bataille, un clin d'œil. Faut voir les volumes. Rafik qui nous est marque volume très important en trading. Presque autant que le prix. Oui, Rafik. Alors attention sur CFD, moi j'aime pas les volumes sur CFD parce que c'est des volumes antiques. Alors certains diront que les volumes antiques sont très proches des volumes concrets, mais pour moi c'est quand même pas la même chose. Les volumes concrets, pour ma part, c'est ce qu'on a sur le marché futur, tandis que sur le marché, bien sûr, des CFD, c'est des volumes antiques sur les plateformes MT5. Donc j'utilise pas personnellement les volumes, mais sur futur, avec les volumes de marché, les vrais volumes de marché, oui, c'est en effet intéressant. Mais plus intéressant que ça, pour moi, c'est l'order flow et le price action.
Merci Jérémy, bon week-end à tous, nous disait Eric, avec grand plaisir, très bon week-end à toi aussi Eric. Marc, du coup, les TP des pouces bleus, il est à l'ouest Jérémy, 124, on n'est pas loin du TP1, tu vois, je sécurise un petit peu, je pense qu'on va l'avoir sur la fin de séance. Mystère qui nous disait, je trouve qu'il y a très peu de vidéos sur YouTube sur les clôtures partielles, alors que tout trader le fait, mais il n'y a presque rien sur ce sujet, méthode, stratégie, etc. Alors attends que je vérifie ça, peut être un sujet à faire, je sais pas si je l'ai déjà fait ou pas. J'ai fait comment clôturer. Ah, attends, clôture, on va voir. Comment clôturer une position. Tac, tac, tac. Ah, je le montre tous les jours en live, mais j'ai peut-être pas une vidéo. Clôture son trade, clôture son trade, tuto, take profit. Yes, tu vois, c'est une bonne idée. Ah, voilà, couper de moitié son trade, mais bon, c'est une vidéo qui date il y a 5 ans. Je pourrais refaire une. Vraiment ici une vidéo là-dessus, mais par exemple avec la méthode que je vous montre au quotidien, bonne idée ici, bonne idée. MFA qui nous dit oui, Grégory qui dit officiellement c'est la fin de la déflation, je note. Alors on n'aura pas le temps de rentrer dans le sujet, il est 10h ici, sujet assez vaste, c'est complexe de clôture partielle, c'est une question de stratégie, donc choix personnel, disait Marc. Il est devenu américain, tu disais. Tu parles de qui du coup? Nano qui nous disait, est-ce qu'il existe? Où est-ce que je pourrais trouver une vidéo pour savoir comment installer un TP1, TP2? Alors tu peux pas le faire du coup autrement que manuellement de base sur la plateforme. Ici le mini terminal te permet de le faire avec la roulette bleue. Je t'invite à regarder tous les lives que j'ai fait, tous les séances de la semaine ou des autres semaines. Tu verras toujours des clôtures partielles à l'aide de la petite roulette bleue sur la position, sur la ligne de la position. Nibom qui nous dit bonne fin de semaine Jérémy, bonne fin de semaine à tout le monde, top comme toujours, merci, avec grand plaisir Nibom, très bonne fin de semaine à toi aussi. Didier qui nous dit c'est presque 10h, je m'arrête la semaine, 630 points environ, je suis plus que satisfait. Bah tu peux, c'est un super score Didier, bravo, bravo, félicitations. MFA qui nous dit merci, je t'en prie. Nano qui nous dit j'ai précise que je suis sûr, MD5, Film qui nous dit bon week-end à toi aussi, Mélanie également, merci pour tout Jérémy, je continue d'apprendre chaque jour en te suivant, un très bon week-end à toi et à tous, un grand merci Mélanie pour ton retour, ça fait plaisir, c'est le but, je suis très content que ça t'aide. Rafi qui nous dit oui, formation TP 38, Daz qui nous dit dis-moi ce que tu penses de l'euro USD en swing. Alors on va repartir sur les graphiques en 2 secondes. Marc qui nous disait citation difficile du jour, l'échec est une option si les choses n'échouent pas, du coup vous n'innovez pas assez, Elon Musk. Bah, c'est aussi, ouais, c'est clair, avec les erreurs qu'on apprend. Moi, j'ai appris énormément de mes erreurs dans le passé. J'ai jamais suivi de formation en trading. J'ai fait le cursus scolaire pour, mais la théorie est une, et la théorie, et la pratique, et la pratique. Donc, l'apprentissage de ces erreurs, soit de nos propres erreurs, soit des erreurs des autres, est ultra, ultra important. Je suis d'accord avec ça. Clairement, Marc, merci pour le partage. Bon week-end et merci, Jérémy, avec plaisir. À très vite, Marc. Jean-Yves qui nous dit aussi bon trade et bon week-end à tous. Merci à toi aussi. Très bon week-end à toi aussi, du coup, Marc. Nano qui dit merci pour tes vidéos. Je t'en prie avec grand plaisir, Nano. Bon week-end à tous. À de vous aussi. Du coup, voilà, petit récap juste en 2 secondes. Graphique quoi ici? On est sur la borne haute, attention, de la zone de range 15 475 qui va devenir désormais un niveau crucial, un petit peu avec les 15 500 d'ailleurs juste au-dessus pour l'instant sur le DAX. Du côté du CAC 40, c'est une tentative de sortie de la zone, mais qui est relativement timide puisqu'on est sur une borne haute et zone de range de la zone de range, pardon, et résistance des 7 325 points. Du côté du FTSE 100, on va avoir up, la cassure de la zone ici pour l'instant souhaitée des 7 970. Mais c'est encore assez timide, mais c'est niveau déterminant. Sur les marchés US, on est peut-être sur une fausse cassure du petit range pour un test résistance 3985. Attention, du côté du Nasdaq 100, cassure aussi de ta zone de range, mais test du sommet précédent. Donc c'est pas fini. Dow Jones 30, on est sur une tentative de cassure, mais aussi avec le test résistance clé des 33 000 points. Du côté du Gold, je vous fais ça rapidement parce que je suis déjà en retard. Ici, on est sur un break possible des 1845 pour le moment. Attention, ça peut encore rejeter avec la R2. Ou si ça break, direction R3 et 1850 possible. Du côté du pétrole, c'est piégeur, vous le voyez avec ce trading de range, fausse cassure, triangle cassé aussi, donc fausse cassure à la fois du range et du triangle, surveillez bien cette zone qui tourne autour des 84,75. L'indice du dollar US qui est à la baisse en direction de sa borne basse, c'est les 104,55. L'euro dollar qui est en respiration, on repart sur du graphique horaire et on voit qu'on est limité par les 1,0625 pour une respiration possible, point pivot et 1,0610. Et je crois que j'ai jamais fait aussi vite le petit récap de fin de séance, mais voilà ici le GBPUSD, sinon avec sa hausse. Et du coup GBPUSD, bah, c'est ces petits récaps que je vais vous faire sur graphique temps, mais c'est vrai que ouais, c'est pas le plus beau trade, hein. Le plus beau trade de la séance, juste pour vous faire le petit récap ici, il est là, hop.
Ça a demandé de la patience. Donc, si c'est, il y a une leçon aussi à retenir et à tirer ce matin, c'est peut-être ça. Du coup, la patience qui paye. J'ai attendu littéralement pas mal de temps, puisque c'était à 9h38 que j'ai eu cette opportunité d'achat sur le DAX. Du coup, pour un TP1, pour un TP2 très rapide avec une extension. Ici, on était déjà très haut, donc j'ai fait attention. Et sortie stop suiveur qui me permet de cumuler plusieurs petits points. C'est un petit graphique ici, M1. Donc, le stop suiveur fait 14 points au final après un TP1, TP2 juste avant ici. Donc, voilà pour le petit récap aussi sur l'opportunité la plus intéressante que j'ai trouvée ce matin dans cette séance. Je vais vous souhaiter à tous un excellent week-end, une très très bonne journée. N'hésitez pas à regarder le replay du coup pour voir tout simplement juste avant la séance de cet après-midi où on en est en termes de contexte et de scénario. Et puis je vous mettrai une vidéo shorts, j'espère que vous les aimez. Faites-moi des retours là-dessus aussi. Je vous mets toujours un petit peu le plus intéressant de la séance dans un format short sur YouTube également. Donc si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à la petite cloche pour être prévenu de tout ça. Dernier point important que j'ai oublié de mentionner ici avant qu'on se quitte, notre webinaire de mardi soir. Mardi soir, on va parler BCE, Fed, des conséquences des politiques monétaires, justement sur les graphes et sur notre trading. Tout ça, je vous partage puisque important, webinaire ouvert à tous. Alors profitez-en, profitez-en tout simplement. Je vous partage ça aussi sur du coup Zoom tout de suite là maintenant. Et puis on va s'arrêter pour aujourd'hui. Hop, Didier aussi sur Zoom qui dit merci Jérémy, première pour moi et c'est top. Je dois couper. Bonne journée, bon trade à tous. Merci Didier, ça fait plaisir aussi pour ton message. Marcel aussi qui nous dit bonjour, un peu en retard, pas de souci. Donc on va partager un peu partout ce lien. Virginie qui nous dit merci Jérémy, je t'en prie. Françoise également qui dit séance top. Bon week-end à tous. Salut Emmanuel et Kalino à ta puce. Merci beaucoup Françoise, ça fait plaisir. C'est plus facile, tu nous es Marc pour du coup chercher sur site amiral les vidéos. Bon week-end. De MFA aussi, Niri également, merci à tout le monde. Et Mystère, juste tu nous disais du coup, ah, super, tu fais des vidéos sur les clôtures partielles, Jérém, YouTube. J'ai trouvé que deux vidéos sur ça. Faudra que je fasse une vidéo plus complète, hein. Clairement, je pourrais vous faire quelque chose de sympathique là-dessus, il n'y a pas de souci. Daniel qui nous dit merci pour les explications, avec grand plaisir. JP aussi, merci, bon week-end à toi également. Didier qui nous dit bon week-end aussi, et traditionnel. Bisous aux filles, Jérémy, merci à toi aussi, hein, chez toi bien sûr, Didier. Très bon week-end à tous, on se retrouve bien sûr lundi matin. Bonne séance US cet après-midi, soyez vigilants et je vous retrouve du coup lundi matin 8h30 10h.